sonné l'heure des combats. Tremblez ennemis de la France, rois ivres de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tirant des sons des cercueils. La République vous appelle, sachez vaincre ou sachez périr. Un Français doit vivre pour elle, pour elle un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, pour elle un Français doit mourir. La République nous appelle, sachons vaincre, sachons périr. Un Français doit vivre pour elle un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle un Français doit mourir. De Barade via là, le sort nous fait envie. Ils sont morts, mais ils ont vaincu. Le lâche accable les dents n'a point connu la vie. Qui meurt pour le peuple a vécu. Vous êtes vaillants, nous le sommes. Guidez-nous contre les tyrans. Les républicains sont des hommes, les esclaves sont des enfants. La République vous appelle, sachez vaincre ou sachez périr. Un Français doit vivre pour elle, pour elle un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle. Autohéro, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Explorez chaque voiture en détail, comme si vous y étiez. Convaincu, vous commandez. Thank you.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver. Quelle chance de vous retrouver ici donc, aux Invalides pour un live histoire spécial. Et oui, vous le savez peut-être si vous n'étiez pas dans une grotte, on commémore cette semaine, et notamment plus particulièrement c'était le 5 mai dernier, les 200 ans de la disparition de Napoléon, l'occasion rêvée pour faire un live histoire en partenariat avec le Musée de l'Armée. Je les en remercie déjà pour ça, qui nous ont permis de faire cet événement ici, d'avoir, vous allez le voir, tout ce super, cette super installation pour cet événement. En vrai, on fait plein de live histoire depuis le début de la saison, on invite plein de gens et c'est un plaisir de pouvoir en faire un, particulièrement pour un événement quand même qui est assez important et qui marque quand même le domaine historique de son empreinte. Le but de cet événement, eh bien, ça va être de discuter avec des spécialistes pour essayer d'évoquer notamment la bataille d'Austerlitz, le quotidien des soldats, les guerres napoléoniennes et aussi resituer cette grande bataille qu'est Austerlitz qui s'est déroulée en 1805. Voilà, vous allez voir, on a plein d'invités qui sont déjà en place, donc suivez-moi, on va pouvoir y aller. Suivi évidemment incroyable de Joe qui est déjà en place. Donc, on a préparé un petit plateau, histoire que tout se déroule bien et qu'on puisse discuter ensemble de tout ça. Donc, on est parti, je vais m'installer et vous allez voir que j'ai de très très beaux invités autour de la table avec moi. Donc, on va être comme d'habitude ensemble pendant à peu près 2 heures. La soirée va être, séparée en 2 parties. On aura une première partie, elle, qui sera, dédiée plutôt à la tactique militaire. On reviendra à travers le jeu Napoléon Total War, comme je vous le disais, sur la bataille d'Austerlitz. Et ensuite, on aura une deuxième partie, environ d'une heure et demie, où on sera avec mes invités pour revenir cette fois-ci sur le contexte, évidemment, sur la suite de cette bataille, mais aussi sur des objets qu'on a pu vous ramener. Avec moi, autour de la table, vous le voyez, ils sont quatre. Tout d'abord, Émilie Robe, conservatrice en chef du département 19e. Comment ça va, Émilie ? Génial, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Ça va être un plaisir de discuter aussi avec toi. On est aussi avec Sylvie, qui est donc du département médiation du Musée de l'Armée. Comment ça va, Sylvie ? Parfait, enchantée d'être là ce soir avec vous. Et en avec plus, toi. Ah oui, bah avec nous, effectivement. Mais d'ailleurs, tu étais déjà venu sur la chaîne, puisque oui. C'était toi qui nous avais présenté justement les Invalides. Et donc, cette fois-ci, tu nous as ramené justement pas mal d'objets qu'on des va pouvoir essayer. Voilà, facsimilés qu'on utilise en visite notamment. Super, bah ça va être génial. On est aussi avec Grégory Spourdos, donc qui est commissaire de l'exposition, l'un des nombreux commissaires de l'exposition de Napoléon à la Villette. Comment ça va? Très bien, parfait. Ravi de parler d'Austerlitz. D'habitude, on parle de Waterloo, donc là, pour d'Austerlitz, c'est quand même beaucoup mieux. Ça sera plus sympa parce que tu seras avec moi justement pour qu'on puisse un peu revenir sur le déroulé de la bataille et un petit peu justement là où le jeu se sépare de la réalité. Et je suis évidemment avec là tu seras plutôt mon bras gauche mais ouais, plutôt ouais, mon bras droit sur pas mal changer, de quand on parle d'histoire avec Thibaut de la chaîne Histoire Appliquée. Comment ça va Thibaut? Les fauteuils sont confortables, il y a de la lumière, les gens sont sympas. J'ai varié mes blagues, tu m'as dit varie tes blagues quand on ouvre le live, je varie mes blagues. Écoute, on t'a dit de trouver au moins deux vannes. Du coup j'ai placé la lumière, les gens, les fauteuils, tout ça. Tout à fait, exactement. Non, ça va, merci de m'avoir invité parce que je pense que ça va être une super soirée. Super, alors toi je sais que tu fais beaucoup de reconstitutions, est-ce que tu as déjà fait de la reconstitution Premier Empire justement? Alors en Premier Empire j'ai fait il y a 10 ans une initiation, en fait c'est mes copains qui faisaient du Premier Empire qui m'ont dit tu voudrais pas venir un week-end pour essayer. Oui, ça, alors je dis oui. Nanana. Parce que moi je dis toujours oui à ce genre de truc. Après, est-ce que je regrette ou pas, ça c'est une autre question. Mm-hmm. Mais donc pendant un week-end, j'étais dans de mémoire, c'était le 13e de ligne. Et donc c'était une expérience qui était très très chouette, que j'aimerais bien reproduire un jour, mais ça date d'il y a 10 ans, donc les souvenirs sont un peu lointains, mais tout à fait plaisants. J'ai le souvenir d'avoir beaucoup marché avec un fusil dans les mains et d'avoir perdu mes bras à force de le tenir. Est-ce que vous avez déjà fait la reconstitution autour de la table justement? Est-ce que vous êtes prêtée au jeu, Émilie peut-être? Pas en napoléonien en fait. Ah oui, mais après ça peut être napoléonien, mais pas que. Oui, oui, nous faisait du 15e. 15e, ouais. Ok, d'accord. C'est très presque bien. Du bon goût, mais pas. Désolé. Ouais, du 13e, on a vraiment. C'est de bonne compagnie. Ouais. Et tout. Pour la reconstitution napoléonienne, néanmoins, on estime à peu près, je crois, le coût d'un équipement standard, c'est 5 000 euros hein, oui. Le minimum. Okay. Un bel équipement, donc, voilà, il faut un petit peu d'investissement. Quoi. Oui, voilà, il faut un petit peu d'investissement. Investissement financier, investissement en temps aussi, hein, là-dessus. Ah ouais. Oui, ça va faire un petit peu. Les gens dans le chat sont en mode ouf, 5 000 euros, petit à petit. On ne se rend pas compte, mais les bons sets de reconstitution,
On a des bons sets de reconstitution en Premier Empire depuis longtemps et du coup on en connaît les prix. Mmh. Mais sur les autres périodes, si on veut faire des bons sets, on se retrouve avec des chiffres qui sont similaires. Mmh. Après, le problème du Premier Empire, c'est qu'on est souvent obligé de tout dépenser d'un coup pour avoir la tenue complète. Mmh. Alors qu'en antique ou en médiéval, des choses que je connais un peu mieux, on peut faire les choses un peu progressivement. On peut presque commencer à poil et puis finir plutôt bien. Ok, ok. Ne commencez pas à poil. Hein. C'était une image. Si on fait du grec, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si on fait du grec, on peut. Yes. Alors, comme je vous le disais, donc le fil rouge, on va dire, ou en tout cas le point de départ de notre discussion, et ça va être cette fameuse bataille d'Austerlitz. On va rejoindre les trois joueurs donc, qui vont incarner les trois protagonistes finalement de cette bataille. Mais Émilie, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux un peu nous resituer finalement Austerlitz? C'est en 1805, mais où est-ce qu'il se situe finalement dans la temporalité napoléonienne? Dans la temporalité napoléonienne, 1805, c'est une année un peu particulière. En grande partie parce que le 2 décembre 1805, on est juste après le 2 décembre 1804, donc c'est l'anniversaire du sacre. Mais tout ce qui s'est passé auparavant, et notamment l'armée massée sur les côtes de l'océan en envisageant la conquête de l'Angleterre, et particulièrement aussi la bataille de Trafalgar le 21 septembre, ce sont des moments absolument cruciaux pour la stratégie de Napoléon, le moment où il tourne précisément son regard vers l'intérieur des terres et abandonne l'idée de conquête au-delà des océans et même tout simplement de développer une marine à court terme. De toute façon, ça n'existe pas, la marine à court terme, donc c'est déjà très simple. Mais Grégory en dira peut-être plus que moi sur le principe. En fait, Napoléon se tourne au lieu de l'Angleterre vers deux puissances terrestres, principalement l'Autriche, qui est rejointe par la Russie, afin de faire pièce à ces mouvements qui ont été commandités par les Anglais. Il me semble, Grégory, que c'est à peu près avec l'or anglais que la bataille commence, en réalité. Les Anglais, sous la menace, réussissent par une diplomatie fort habile à attirer l'attention de Napoléon, qui par ailleurs était bien embêté pour traverser la Manche. Mm-hmm. Donc les sept corps d'armée qui se déversent vers Vienne fonctionnent exactement sur ce principe-là. Un détournement de l'attention de Napoléon vers l'Angleterre et de toute façon l'impossibilité pour lui d'avoir une action sur mer qui tienne la route après Trafalgar. D'accord. Et donc justement, tu parlais justement de l'Autriche et de la Russie. Comment se trouvent ces alliés finalement? Comment est-ce qu'ils arrivent à trouver un but commun face à Napoléon? C'est les Anglais aussi, l'or anglais. Comment ça s'est passé? Oui, effectivement, comme le dit Émilie, c'est l'or anglais qui va acheter l'alliance de l'Autriche et de la Russie. Mm-hmm. Mais effectivement, les Autrichiens et les Russes avaient des profonds griefs contre Napoléon. L'Autriche avait perdu à deux reprises en Italie, déjà en 1797, puis en 1800, avait perdu des territoires. Donc ils voulaient prendre leur revanche. Et quant aux Russes, le tsar veut jouer un rôle important en Europe, mm-hmm. dans la diplomatie, et puis se voit comme le grand rival de Napoléon en Europe aussi. Donc ils n'attendaient que ça pour prendre les armes contre la France. Donc du coup, c'était le bon moment, Austerlitz, à ce moment-là. Donc on se retrouve à Austerlitz. On va parler évidemment du théâtre d'opération. On ne va pas tarder à aller sur le desk, mais rapidement, parce que quand même, on est dans une salle quand même incroyable. On va faire juste une petite parenthèse avant d'y aller. Sylvie, où est-ce qu'on est là, rapidement, pour qu'on puisse expliquer aux gens à peu près, parce que je vois les gens dans le chat, ils sont en mode, c'est un bel endroit. Et qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors aujourd'hui, c'est le Grand Salon, oui. Un espace dans lequel nous donnons des concerts, nous louons ces espaces aussi. D'ailleurs, Thibaut sera en concert bientôt, hein, d'ailleurs. Exactement. Ce n'est pas tout à fait peut-être ce type de concert, okay. Mais pourquoi pas. Du gaulois. Du gaulois. Parce qu'on en parle justement du gaulois. Avec le gaulois. Plus tard, le gaulois. Et donc, on a une vue à la fois sur le pont Alexandre III et une vue, comme vous le voyez, sur le dôme des Invalides. Exactement. Cette pièce cette salle a servi à plusieurs, selon l'époque, à différentes fonctions, tout simplement. Au départ, avant que l'église des soldats ne soit construite, eh bien, on pouvait donner les offices religieux. Par exemple, ici, au moment où Louis XIV donc, fait construire cet hôpital pour accueillir les soldats grièvement blessés ou trop vieux pour
continuer à servir dans l'armée royale. On avait déjà fait un live histoire ici, où on avait notamment visité les collections de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et donc on ne le voit pas encore, mais au fur et à mesure que le soleil va baisser, vous pourrez distinguer le dôme des Invalides avec à l'intérieur, vous ne le verrez pas d'ici bien sûr, le tombeau de Napoléon. Donc c'est un événement, c'est un endroit incroyable. Et merci beaucoup au Musée de l'Armée, évidemment, de permettre de faire cette émission ici et de pouvoir avoir ces deux heures de discussion ensemble autour d'un événement aussi important, puisque avant de partir sur le jeu, le Musée de l'Armée a aussi, on va dire, évidemment, participe à toute la campagne. On sait qu'il y a évidemment la Villette qui a une exposition, mais le Musée de l'Armée a aussi une grande exposition ici. Napoléon n'est plus, Sylvie. Voilà, tout à fait, dont Émilie est l'un des commissaires du Musée de l'Armée en tous les cas. Effectivement, une superbe exposition qu'il faut absolument venir voir. J'ai eu la chance de voir. Et voilà. Là, vous traitez l'angle de la disparition de Napoléon, parce que c'est le bicentenaire de sa mort. Et donc, vous traitez justement de la mort de Napoléon. Oui, depuis plusieurs années, le Musée de l'Armée a un cycle d'expositions napoléoniennes qui a commencé en 2013 avec Napoléon et l'Europe, puis Napoléon à Sainte-Hélène, la conquête de la mémoire en 2016, Napoléon stratège avec Grégory au commissariat aussi en 2018. Donc nous terminons en quelque sorte notre cycle en beauté avec une exposition spot on sur le bicentenaire, ce qui pour nous est assez crucial, parce que étant ceux qui gardent le tombeau de l'empereur, le gardien du tombeau de l'empereur, je l'ai vu passer tout à l'heure en titre, c'est notre directeur. Donc c'est pour nous le moment de transformer en fait la vie de Napoléon en légende. La mort, c'est le moment où Napoléon change d'aspect pour la postérité, il change de résonance, et ça fait 200 ans qu'il est mort, 200 ans qu'on parle de lui d'une façon qui s'est définie par les circonstances de son exil et de sa mort. C'est ce que raconte l'exposition. Mais nous avons toute une saison Napoléon aux Invalides, avec notamment, et on le voit assez bien dans le grand salon si on a la possibilité d'avoir une vue un petit peu générale, un grand parcours d'art contemporain, Napoléon encore, tout à fait. Avec 30 artistes d'envergure internationale, plus quelques jeunes talents montants. Donc autour de nous, notamment, les drapeaux d'Hélène Delprat, l'œuvre de Agnès Turnauer, également, juste derrière Grégory. Donc ça, c'est un autre regard, en fait, sur Napoléon. Un regard intéressant, donc qui a un autre regard encore de celui qu'on va voir ce soir, qui est un regard un peu plus que moi j'avais pas eu l'occasion de voir. On a pu voir cette exposition, on a eu cette chance avec Thibault. Les gens pourront venir la découvrir normalement à partir du 19 mai prochain. Exactement. Lors de la réouverture, évidemment, des musées. On va se diriger vers cette partie de Napoléon Total War. On parlait justement, on a un petit peu contextualisé cette bataille d'Austerlitz. Donc Grégory, je te propose de me rejoindre. On va aller se mettre sur le bureau juste à côté là-bas. Tu peux prendre ton micro. Allez, salut. Et on se dit à tout à l'heure. On se dit à tout à l'heure et on va aller au bureau de cast. Bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Tu vas pouvoir prendre le micro-casque pour toi, ce sera encore plus simple. Hop. Et on est parti. Est-ce que tu m'entends bien? Très bien. Super, merveilleux. Je suis évidemment avec Grégory, donc commissaire de l'exposition, comme je disais, Napoléon Lavillette. Et donc tu parles régulièrement d'Austerlitz, tu fais des cours dessus? Oh, des cours, pas forcément des cours sur la bataille, mais effectivement, dans les salles du Musée de l'Armée, on présente plusieurs batailles animées qu'on a conçues et qui sont diffusées, dont la bataille d'Austerlitz, évidemment, grande victoire de Napoléon. Une grande victoire de Napoléon. Et effectivement, pour nous, c'est essentiel de proposer à notre public des éléments de compréhension de ces batailles qui sont pas évidente à comprendre, parce que c'est Austerlitz, c'est 150 000 hommes qui s'affrontent, donc comment l'expliquer? C'est ça, exactement. On va essayer de l'expliquer. Alors évidemment, on est sur un jeu vidéo, donc qui dit jeu vidéo, évidemment, dit fiction. On est sur Napoléon Total War, jeu sorti en 2010. La série des Napoléon Total War, c'est des jeux de stratégie où eh bien, vous avez des campagnes, mais aussi des batailles historiques. Austerlitz en fait partie, donc nous avons trois joueurs qui vont être avec nous ce soir, et je les remercie d'être là. Nous aurons Virio avec nous... Ah, je vais baisser le son du jeu, très bien, je vais baisser le son du jeu, on est en PLS, on est en mode « baisse le son tout de suite ». Je vais baisser le son du jeu instantanément, je fais juste un petit tab et on est bon. Donc on aura trois joueurs avec nous, on aura Sigiron qui va jouer l'Autriche, nous aurons Virio qui va jouer, Duchassis pardon, qui va jouer la Russie, et nous aurions Virio qui va jouer la France, donc dans cette, la France ici dans cette opposition justement. Alors le but c'est qu'ils aient au départ une tactique, on va dire,
similaire à celle qui avait été proposée en 1805. Après, le jeu, évidemment, va prendre le dessus. Et là, on va avoir très certainement des digressions qui vont arriver. Alors, je vais juste retrouver notre partie, voilà, juste ici. Et on va la rejoindre. Hop. Et on va pouvoir rejoindre cette partie. Voilà, les joueurs sont en place. Ah non, attendez, faut que je retourne parce que j'ai pas fait rejoindre mon spectateur, terrible. Et on va pouvoir être bon. Hop. Voilà, parfait. Parce qu'il y a un mode spec, et ça fait plaisir. Donc, vous le voyez, encore un peu, je vais encore baisser un peu le son du jeu, très bien. Je baisse encore un peu le son du jeu, bien sûr. Et on va pouvoir y aller. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir les joueurs qui se sont investis, qui ont préparé l'ordre de bataille. Justement, en parlant d'ordre de bataille, en termes d'effectifs de part et d'autre, où est-ce qu'on se situe côté français et au côté de l'alliance Autriche-Russie ? Il y a environ 73 000 Français contre à peu près 85 000 Russes, donc on est sur des effectifs à peu près équivalents. Ok. Avec tout de même, côté français, une armée un peu plus expérimentée, avec de nombreux vétérans, alors que du côté des Russes, beaucoup de soldats n'ont pas connu le feu, donc en fait, c'est leur première bataille. Okay. Quant aux Autrichiens, ils ont été vaincus à Ulm, donc bon, ils ont déjà un profond sentiment de revanche, on va dire. C'est ça. Et donc, la France, comment est-ce qu'elle est, cette grande armée, à ce moment-là ? Est-ce qu'elle est expérimentée, déjà ? Elle a des hommes qui ont déjà fait plusieurs batailles ? Oui, il y a au moins la moitié des soldats qui, effectivement, ont déjà combattu pendant les guerres de la Révolution. Mm-hmm. Les autres sont des conscrits qui se sont entraînés dans les camps de Boulogne pendant près de 2 ans. Donc, c'est vraiment une armée très performante, commandée par des officiers talentueux. On va sûrement les retrouver sur le champ de bataille, on va voir Davout, on va voir Lannes, on va voir Murat. Vraiment une armée. Est-ce que tu peux rapprocher un tout petit peu ton micro ? Attends, je vais te le rapprocher si tu veux. Voilà. Merveilleux. Okay. Je pense que ce sera encore mieux comme ça. Donc, on est dans la partie, vous le voyez. Alors, on est sur une partie très importante. C'est dans cette mise en place, dans cette disposition, on a ce fameux plateau, cette fameuse colline. Oui, qui est le plateau de Pratzen. Le plateau de Pratzen, qui là, effectivement, sur le jeu, ressemble plus à une montagne qu'à un vrai plateau, parce que le plateau de Pratzen, il était quand même, avait une pente un peu plus douce, hein, puisqu'on montait environ de 4 cm par mètre, donc c'était pas aussi important. Donc, mais il fallait illustrer dans le jeu, évidemment, sur une carte un peu plus petite, très certainement. Au début de cette bataille, il est quelle heure ? Oh, alors il est environ 5h du matin, même si ça fait déjà depuis 2 jours qu'il y a des petites escarmouches de part et d'autre. Napoléon va essayer de tout faire pour feindre la retraite, montrer à son ennemi qu'il est en situation de faiblesse, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais oui, effectivement, ça commence tôt le matin, jusqu'à 16h du soir, 16h, 16h, 17h à peu près. On est au sud et on a aussi deux... Ça, c'est un point important aussi de la bataille. Donc, on a justement le plateau de Pratzen ici. Et on a deux villages qui sont ici et qui sont illustrés par ces habitations ici, qui sont aussi très importants dans la stratégie, dans le déroulement de cette bataille d'Austerlitz. Oui, c'est les deux villages de Telnitz et de Sokolnitz qui, effectivement... on voit bien d'ailleurs, il y a aussi des ruisseaux, donc il y a des zones un peu marécageuses. Enfin, c'est un lieu que Napoléon a choisi pour être un lieu où il va poster des unités pour tenir la position. Donc là, à ce niveau-là, il ne va pas prendre l'offensive à cet endroit-là. Il va tenir la position, il va envoyer notamment le maréchal Davout pour tenir, parce qu'il espère effectivement l'attaque des Austro-Russes à cet endroit-là. Et il espère que ces divisions vont contenir l'attaque pendant que lui attaquera ailleurs. Alors je dis aux joueurs qu'ils peuvent lancer après leur mise en place. Donc l'ordre de bataille, pour ceux que ça intéresse, pour les experts de Napoléon. Donc Napoléon a 2 chasseurs à cheval, le 7e lancier chevaux légers, 2 artilleries de 6 livres, 1 vieille garde, 9 régiments de ligne, 2 chasseurs légers. Il fera en face, du coup, il y aura la Russie avec 2 artilleries de 6 livres, 2 régiments de hussards, 1 régiment de Uhlan, 2 régiments impériaux, 2 grenadiers Pavlovsk, 4 régiments d'infanterie et 2 Opelcheny, et l'Autriche, donc qui sera également joué, donc qui est le troisième protagoniste, sera un petit peu moins bien fournie parce qu'elle aura un général, l'artillerie de 3 artilleries de 6 livres, 2 hussards hongrois, 1 cuirassier et 3 régiments allemands. Voilà. Donc on est sur Napoléon Total War. Les modérateurs, vous pouvez d'ailleurs changer le jeu si vous le désirez, et on va pouvoir se lancer donc dans cette bataille qui va commencer avec les tirs d'artillerie qui commencent. Donc
sur le plateau de Pratzen, on avait, Napoléon avait décidé de volontairement laisser le plateau de Pratzen à ses adversaires, c'est ça ? Oui, il l'avait volontairement laissé justement pour feindre la retraite, feindre une situation de faiblesse, mais il avait dans l'idée de le reconquérir. Là, les Austro-Russes, bon, ils tirent sur les Français au sud du plateau, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, puisque les Austro-Russes, en fait, ils tirent pas sur les Français parce que ils imaginent les Français en retraite. Donc en fait, ils vont descendre plutôt le plateau du côté de Dönitz et de Sokolnitz. Enfin, c'est comme ça que ça se passe dans la réalité historique. Après, dans le jeu, on peut inventer autre chose. Hein, bien sûr, entendu. C'est le but. Mais ça est le but, justement. On a des dispositions qui sont similaires. Ensuite, on va beaucoup évoluer et on refera un point sur cette bataille juste après pour que vous puissiez justement vous rendre compte de la réalité, des différences qu'il y a pu avoir. Qui sont les... Évidemment, on a Napoléon côté français. Qui on a du côté autrichien et du côté russe ? Alors, on a le tsar de Russie et l'empereur d'Autriche, qui sont les commandants officiels de l'armée, puisqu'ils en sont les souverains. Mais il n'y a pas... Enfin, en ce qui concerne le commandement, il n'est pas très unifié. Bon, il y a un plan général... un plan de bataille général qui est celui de Weyrother, mais les officiers ne s'entendent pas entre Kutuzov, Langeron, les Russes et les Autrichiens ne s'entendent pas vraiment bien, et ils ont un plan de bataille très arrêté, là on les voit d'ailleurs descendre le plateau, attaquer Tenitz et Sokolnitz, c'est exactement effectivement ce qui s'est passé vers 6h du matin, le jour de la bataille d'Austerlitz. Mais il fait nuit à ce moment-là, on voit rien. Oui, effectivement nuit. C'est aux premières lueurs de l'aube que les premières escarmouches, enfin les premiers combats se déroulent à ce niveau-là. Pour resituer géographiquement aussi, je vois que des gens demandaient dans le chat tout à l'heure, on est à peu près à 100 km de Vienne. Oui, ça doit être à peu près ça. Oui, on est en République tchèque actuelle, mais on est en l'Autriche de l'époque. Tout à fait. Donc là, on a le premier mouvement de troupes qui est celui où on va descendre. Alors, c'est vrai que normalement, le plateau du Pratzen que vous voyez sur la mini-map en haut à droite était un petit peu plus dépourvu normalement après le premier mouvement de troupes. C'est là que vont commencer déjà à engager du coup les Russes. Et avec des lacs qui étaient gelés aussi à ce moment de l'année. Oui, les lacs sont gelés, mais alors ils sont pas exactement à cet endroit-là. Ils sont un peu plus à gauche de l'écran. Et on les verra plus par la suite. Donc on voit bien en tout cas l'offensive des Autrichiens, là on voit que c'est des Autrichiens, on reconnaît bien les drapeaux autrichiens avec l'aigle bicéphale et le drapeau jaune, et en face donc les Français qui résistent, qui ont vraiment comme consigne de tenir la position autant que possible, résister à l'assaut. Et ouais. Comment est-ce qu'aujourd'hui s'articulent les témoignages autour d'Austerlitz ? Ce sont des écrits, c'est les généraux qui ont écrit, c'est peut-être Napoléon aussi dans ses mémoires ? Oui, c'est effectivement, il y a beaucoup de témoignages de généraux. Alors, c'est toujours le problème, c'est que chacun veut se mettre en avant. Donc après, il faut faire un peu le tri pour savoir ce qui est de l'ordre de la réalité, ce qui est exagéré. Mais oui, il y a des témoignages nombreux sur la bataille d'Austerlitz. Et ça fait 200 ans que les historiens l'étudient. Et il y a gens qui connaissent tout dans le moindre détail. Est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre, des choses on ne sait pas vraiment ? C'est encore un peu... Il y en a toujours sur la situation de certains régiments. Est-ce qu'ils étaient vraiment exactement à cet endroit-là ou un peu plus à gauche, un peu plus à droite sur le champ de bataille ? Qu'est-ce qu'ils ont tenu ? Est-ce qu'ils se sont repliés ? Bon, mais globalement, la bataille est extrêmement bien connue. Oui, c'est ça. Il n'y a plus vraiment de zone d'ombre maintenant. C'est plutôt. Mais même Napoléon, maintenant, est finalement très connu. Aujourd'hui, on pourrait presque dire heure par heure où il était dans son existence. Ah, dans son existence, jour par jour, ça existe. Jour par jour, ça existe. Existe, hein. Il y a des 12 ouvrages là-dessus. Par heure, ça fait un petit peu. Alors là, il était aux toilettes. Heure par heure, la bataille d'Austerlitz, je pense que quelqu'un l'a déjà fait. Hein. Ça me paraît tout à fait plausible. Donc là, il y a une première division qui vient de tomber donc, chez les Russes. Juste ici, donc, il y a la cavalerie qui va attaquer donc, de la part de Virio, qui va être un petit peu par contre sous le feu, justement, sur l'artillerie autrichienne et russe. Mais du coup, les Russes sont toujours. Se replient du coup déjà sur le plateau de Pratzen, juste ici. Oui, effectivement. Alors, ils ne se sont pas vraiment repliés. Ils étaient quand même très concentrés autour des villages, mais ils ont vraiment été bloqués, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est très, très marquant pendant la bataille. Ils étaient vraiment en très nette supériorité numérique à cet endroit. Ils étaient à peu près 40 000 contre 7 ou 8 000 Français. Donc, c'est dire que l'héroïsme et la bravoure de ces 7 ou 8 000 hommes qui ont quand même tenu pendant des heures. Il faut savoir que parmi eux, il y avait quand même des régiments qui venaient de marcher 120 km juste avant et qui sont arrivés la nuit qui a précédé la bataille et qui ont combattu le lendemain. Donc là, c'est la division Friant. C'est vraiment cette division-là qui a... avec d'autres qui ont vraiment gagné la bataille. Tout à fait. Et donc là, cette fois-ci, contrairement à l'histoire, c'est la cavalerie autrichienne qui décide de lancer l'attaque dans le...
dans le cœur de l'armée, directement sur les troupes françaises. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Les Russes sont pas du tout déplacés. Enfin, les Autrichiens sont pas du tout descendus. Non, mais ceci dit, c'est plutôt une bonne tactique parce qu'au moins ça empêche les Français de monter sur le plateau de Pratzen et ça remet complètement en question le plan et la stratégie de Napoléon. Et d'ailleurs, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Évidemment, non c'est on a une déroute là, tout à fait des artilleries de 6 livres qui sont. Ah ouais, sont voilà, les canons ont été pris. C'est quand même c'est une bonne chose. C'est pas pour les Français, mais c'est. Mais là, on voit bien le carré d'infanterie un peu plus au-dessus là. Donc cette formation tactique très étonnante, qui en fait est une formation tactique défensive et qui effectivement empêche les cavaliers d'entrer. C'est-à-dire que les cavaliers tournent autour, mais n'arrivent pas à entrer pour sabrer les fantassins sur le flanc ou sur leurs arrières. Donc c'est une formation qui est extrêmement efficace. Et contre un carré, en général, les cavaliers ne peuvent pas faire grand-chose. Là, ils vont fuir à tous les coups. Enfin, je pense que voilà, c'est ce qui se passe. Je regarde juste si le titre a été mis à jour. C'est bon. Vous avez, pour ceux qui débarquent sur live, on est sur Napoléon Total War. Peut-être que certains découvrent Twitch. Vous avez le nom du jeu qui est juste en dessous. Et donc, je suis avec Grégory, comme je disais, commissaire de l'exposition Napoléon à la Villette, et donc qui connaît bien cette bataille d'Austerlitz. Et on revient avec lui dessus. Et donc, le but, c'était un petit peu de voir qu'est-ce que le jeu nous propose. On a trois joueurs qui incarnent chacun. Et bien un camp avec un joueur qui joue avec Virio, Duchassy et Sigiron qui incarne chacun et bien l'un la France donc qui est joué par Virio, la Russie qui est jouée par Duchassy et l'Autriche qui est jouée par Sigiron. C'est étonnant les tirs d'artillerie là, ils sont quand même je sais pas quelle est la portée mais ouais, ils sont un petit peu plus ça va jusqu'au niveau du ruisseau dans les faits, au-delà d'un kilomètre ça paraît bon après ouais. Voilà, c'est le jeu évidemment. C'est le jeu c'est intéressant mais mais voilà, donc on a vraiment une artillerie. Ça tirait, on pourrait la cadence d'un canon. C'est au moins 2 à 3 minutes entre deux tirs d'artillerie. Parce que là, ça après, ça dépend après de la performance des artilleurs, de leur entraînement, etc. Mais bien c'est sûr. Long hein, de charger un canon. On verra peut-être le film tout à l'heure, le film de reconstitution, si on a le temps. Mais oui, c'est long. Mais en tout cas, la tactique des Austro-Russes, là, pour le coup, elle est bonne parce que, en fait, comme ils tiennent bien le plateau de Pratzen, ils vont pas perdre, là, je pense. Ouais. C'est ça. Bah en fait c'était c'est... ça en fait c'était la stratégie de Napoléon, c'était ce plateau de Pratzen qui devait être repris ouais. Tout à fait, profiter du mouvement des Austro-Russes vers le sud, vers les villages de Tianitz et Sokolnitz et attaquer les Austro-Russes sur le flanc. Et si le joueur français perd, eh ben il perd. Hein. Écoutez, c'est comme ah ouais, bah oui. C'est le jeu, hein, c'est bien sûr. C'est le jeu, bien sûr. Mais on reviendra, on refera, vous inquiétez pas, juste avec tous nos invités en plateau tout à l'heure, on refera le déroulé réel de la bataille pour voir justement où ça a été différencié. Mais là, on voit déjà des vraies différences notables avec, pour l'instant, des Français qui sont incapables de prendre cette colline du Pratzen, puisque on a la cavalerie, on a la cavalerie qui est arrivée côté russe, côté autrichien surtout. Donc pour l'instant on est dans l'incapacité de pouvoir avancer et les Français sont un petit peu bloqués et c'est plus eux qui subissent pour l'instant que l'inverse. Ouais, on dirait, ouais. Donc pour l'instant c'est un peu compliqué, les mouvements de troupes sont un peu délicats côté français et justement c'est encore une fois les Russes qui vont avancer sur leurs adversaires là. En tout cas, ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'on voit vraiment les formations tactiques telles qu'elles existaient à l'époque. Là, on voit les fantassins en ligne et on voit que cette guerre, la bataille à cette époque se fait à découvert. On forme des murs d'hommes qui avancent face à l'ennemi. Là, ça, c'est assez net. On se cache pas, on se camoufle pas, il n'y a pas de tranchées. Donc il fallait quand même être courageux parce que face à un feu de l'ennemi, on se couchait pas, on restait debout. Donc on encaissait le tir de l'ennemi. Voilà, c'est ça. Il y a des retraites encore avec. On voit des colonnes d'attaque, on voit la cavalerie chargée. Alors là, au bon moment, une troupe française qui est en train de quitter le champ de bataille et qui va. Ah non, c'était peut-être des Autrichiens. Pardon, je me suis trompé. On voit pas. Non, si ils ont des uniformes bleus, c'est des Français. Ouais, c'est. Les Verts, c'est les Russes, ça c'est sûr. Là, c'est des grenadiers, on les reconnaît assez bien. Donc là, ça doit être de la garde, je pense, la garde russe, donc des troupes d'élite. Donc ils sont envoyés. Donc là, on a formé un carré pour les Français, ouais, puisque finalement, on est à cause de la fameuse. Alors nous, on voit tout. On a toutes les perspectives. Évidemment, on voit les unités sur la carte. Ce n'est pas le cas évidemment des joueurs. Ils ont un champ de vision qui est réduit, donc ils ne voient pas. Et donc là, il y a deux unités qui vont aller charger le carré et qui va prendre. Et là, la France qui est complètement, on va dire, sur les deux villages qui n'existent quasiment plus. Il n'y a plus que ce carré qui tient presque et il y a déjà des unités françaises qui font le... Oui, qui sont en train de fuir, mais... C'est ça. Ceci dit, ça aussi, c'est réaliste, hein, parce qu'il y a des soldats qui, effectivement, s'enfuyaient. Hein. Il ne faut pas imaginer qu'ils se faisaient massacrer sur place.
Bien entendu, il y a la peur de la bataille, il y a des mouvements de panique qu'on comprend, hein, qui n'a rien à voir avec la lâcheté. Hein, c'est quand on est en plein dans une bataille, on voit tous ses camarades tomber à côté de nous, on fuit. Hein, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais c'est au moment de la fuite en fait que le taux de perte est le plus élevé, parce que quand on tourne le dos à l'adversaire, forcément l'adversaire en profite pour lancer une attaque, notamment de cavalerie ou d'infanterie, et là il y a un taux de perte qui est très important. En tout cas, ça me rappelle un match de foot, ça me rappelle un match de FIFA Club Pro de l'autre jour, ça. On avait eu un petit peu de mal, on s'était fait un peu dessouder. La France, c'est un peu compliqué là. Qu'allais-je dire, comment est-ce qu'on passe les ordres sur un champ de bataille? Alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, nous, on a une vision un peu zénitale, comme si on avait un bien drone, sûr. Là. Mais il faut imaginer que le commandant en chef, en l'occurrence Napoléon, ou même le tsar de Russie, ne voit que ce qu'il voit autour de lui, c'est-à-dire avec sa lunette. Donc il n'a pas une vision globale du champ de bataille, qui en plus est très enfumé à cause des tirs de fusils, de canons. Donc on utilise des officiers, des aides de camp, qui sont des officiers de valeureux et dévoués à Napoléon, qui sont envoyés sur différents points du champ de bataille pour observer et rapporter leurs observations à Napoléon notamment. Donc en fait, c'est un rôle très important, parce que vous imaginez, si vous êtes capturé ou tué, bon, bah, l'ordre il circule pas et on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. L'avantage, c'est qu'à la bataille d'Austerlitz, Napoléon peut compter quand même au nord sur le maréchal Lannes, qui est dévoué et très efficace, et au sud sur Davout, qui, pareil, peut tenir. Donc en fait, Napoléon n'a pas trop à se soucier de ce qui se passe au nord et au sud. Et par contre, il est très soucieux d'attaquer le plateau, et il sait que c'est là son objectif. De toute façon, il y a des premiers ordres qui sont donnés avant la bataille, c'est-à-dire que c'est pas juste avant... Oui, il y a des premiers ordres qui sont donnés avant la bataille, mais la grande force de Napoléon, c'est qu'il n'a pas un plan de bataille au début de la bataille, et puis après, tout le monde doit mécaniquement suivre ses ordres. C'est-à-dire que grâce à son coup d'œil, il sait voir comment évolue la bataille, parce qu'en fonction de la mouvement des troupes adverses, il faut s'adapter. Et donc ça, il sait analyser parfaitement ses évolutions et donner des ordres pour que son armée s'adapte, et c'est ça. Il sait extrêmement bien combiner ses forces en fonction de l'avancée des troupes ennemies. Et on voit que la France là est... Oui, visiblement, ouais, le village de Ténitz et Sokolnitz a été pris. Les Français en fait vont perdre la bataille, là, je crois. Là, je crois que c'est, à mon avis, ça semble presque cuit pour Virio, qui joue la France là, malheureusement, puisque il a réussi à mettre en déroute quand même ici une partie de la cavalerie autrichienne. Malgré tout, il est encerclé. On le voit en haut à droite, les petits carrés français. C'est ça, bleus, c'est le rouge. Complètement. Regardez, ça va arriver dans le dos. Ça va arriver dans le dos ici. Ils sont pas prêts, parce que ici c'est en train de se déplacer. Il va essayer de repositionner son général qui se trouve ici, qui est symbolisé par cette petite étoile. Donc il va falloir faire attention. Donc ça va être un petit peu délicat. Et Napoléon qui est juste derrière ici, donc qui est là. Ah oui, le voilà. Effectivement, ouais. On le reconnaît. C'est le seul à porter son chapeau de travers, au moins c'est facile de le reconnaître. La bicorne de Napoléon, qu'on montrera tout à l'heure, hein, mais effectivement... Il en avait beaucoup, des bicornes, Napoléon, il avait quand même un certain nombre, mais c'est vrai qu'il se faisait bien reconnaître sur le champ de bataille avec ça, quoi. Voilà, par contre, c'est vraiment compliqué, on le voit. Bah, je pense que là, la partie est perdue pour les Français. Je pense que les Français ont été encerclés et vaincus. Bah, au moins, en fait, ça aurait pu se passer comme ça, hein, concrètement, la bataille d'Austerlitz. Rien ne disait, contrairement à ce qu'a dit Napoléon après, qu'il avait tout prévu, qu'il savait qu'il allait gagner, etc. C'est pas vrai du tout. Au début de la journée, le 2 décembre, au matin, les Austro-Russes auraient très bien pu gagner, bien sûr. C'est ça. Si notamment ils avaient utilisé cette tactique, c'est-à-dire de tenir le plateau de Pratzen et ensuite d'attaquer les Français qui étaient au sud du plateau, ils auraient pu gagner, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est le point, ça remet encore en évidence l'importance de ce plateau et de la tactique militaire qui a été réussie, quoi, de faire bouger les troupes, autrichiennes et russes de ce plateau pour le reprendre ensuite. Mais on va y revenir, on refera évidemment le déroulé, mais au moins c'est bien, on a un exemple de comment est-ce que ça aurait pu se passer s'il y avait eu des choix différents qui avaient été faits, notamment du côté autrichien et du côté russe. On va tenter une charge, j'ai l'impression... Difficile parce que là on envoie la cavalerie monter une colline, on imagine les chevaux se fatiguer, là les Russes vont former le carré, je pense. Là, on voit des troupes françaises qui scintillent, donc ça veut dire qu'elles sont Ils vont être repoussés sans aucun doute. Ils vont être repoussés. On va se mettre en carré côté. Vous voyez, dès qu'on est en surbrillance, ça veut dire que l'armée, la section est en déroute, c'est le cas ici pour cette armée, cette partie-là.
Mais là, regardez l'étau qui se resserre complètement autour. Il peut même se permettre de traverser le lac parce que vous avez beaucoup de bonus et de malus en fait de déplacement sur Napoléon, sur les Total War de manière générale, selon le relief, selon eh bien le sol aussi, que ce soit des marécages, que ce soit vous soyez dans une forêt, que vous soyez que vous traversiez une rivière. Cela change beaucoup de choses. Et là, on voit que les Français ils ont perdu. Ah ouais, là c'est perdu, je pense pour la France ici qui s'est fait malheureusement dessouder. Aïe, terrible défaite pour la France. Aïe. Et on reforme un carré pour essayer de sauver les meubles, mais je pense que c'est définitivement terminé. Ouais, même Napoléon là est en déroute malheureusement. Il a été capturé, non? Peut-être pas. Il a failli être capturé Austerlitz quelques jours auparavant. Ah bah, il est là, il est ici là encore une fois Napoléon. C'est le dernier régiment, on va dire, qui tient un petit peu. Oui, alors par contre il a jamais sabré. Il a jamais chargé. C'est parti, Napoléon. Ouais, non, sabre. Non, ça n'est pas possible, non, évidemment. Napoléon n'est pas François 1er, hein. Il charge pas à la tête de ses troupes avec son sabre et donne pas de coup de sabre. Même s'il s'est exposé sur les champs de bataille, hein, il a quand même eu 18 ou 19 chevaux tués sous sa selle, donc ça veut dire quand même qu'il n'était pas non plus à 4 km derrière les lignes, hein, il allait au plus près des combats. Mais là clairement, ils auraient sûrement. Enfin, ils se seraient rendus, hein, je pense. Exactement. Que là. Voilà. Ouais, là, ça semble cuit. Voilà, les dernières troupes qui s'enfuient côté français et qui vont quitter donc ce champ de bataille d'Austerlitz cette fois-ci vaincu. Évidemment, c'est un jeu. Évidemment, le but était un but un peu pédagogique de comprendre. Et j'espère que vous avez compris quand même pas mal de choses. On va rapidement, si ça t'intéresse, avoir le retour des joueurs, voir comment. Parce qu'en fait, les joueurs avaient préparé des choses. Ils étaient mis un peu d'accord sur la disposition des armées pour qu'elles soient similaires à ce qu'elles étaient dans la réalité. Ensuite, chaque camp avait préparé une stratégie qui lui était propre pour essayer de remporter la victoire. Donc rien n'était écrit, évidemment, dans cette rien n'était écrit. Et là, vous voyez, on est en train de tenir, mais bon, c'est le désespoir. C'est un peu compliqué. À partir de quand est-ce qu'on on décide de la retraite? C'était un grand coup de clairon et tout le monde s'en allait, ou? Oui, alors ça, c'était quand les retraites étaient organisées, bien planifiées, voulues par l'état-major. La retraite, ça pouvait être aussi une débandade. Hein. Les troupes pouvaient comme s'enfuir. Et c'est exactement ce qui s'est passé du côté des Russes et des Autrichiens. À un moment, ils se sont enfuis. Alors certains régiments avec une certaine contenance, d'autres avec beaucoup moins de contenance. Voilà, donc c'est... Un Napoléon qui charge et qui va être dérouté, là, à mon avis, définitivement, avec son régiment. Et il ne reste plus que deux petites unités. Il y en a une encore derrière qui se remobilise là et qui va revenir. Oui, puis là, dans le jeu, on voit que c'est jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que c'est jusqu'au dernier soldat ennemi encore présent debout. Dans les faits, c'est pas comme ça. On capitule, on se rend, on sauve sa vie. Hein. Voilà. Le but d'une bataille napoléonienne, c'est pas de tuer tous ceux qui sont en face. Le but, c'est vraiment de manœuvrer, de lancer des offensives de telle sorte qu'on empêche l'adversaire de continuer la bataille, c'est-à-dire que ses unités sont totalement dispersées, encerclées, capturées et ne peuvent plus combattre, continuer le combat. C'est ça. Là, c'est un jeu, on tue tout le monde. Dans la réalité, heureusement. Par contre, c'est vrai qu'on a vu quand même la prépondérance de du relief, c'est-à-dire quand vraiment on est en hauteur, on a un avantage très important sur son adversaire. Bien sûr, oui, la portée est meilleure et puis surtout, c'est celui qui doit attaquer une troupe qui est en hauteur, il peine à monter. À gravir, donc c'est beaucoup plus fatigant et il risque de pas aussi garder sa cohésion, alors que c'est fondamental de garder la cohésion, de garder la ligne pour avoir un maximum de soldats au bon endroit et utiliser le feu en conséquence. Le feu de ses fusils, j'entends. C'est ça. Alors, on n'a aussi pas utilisé un jeu qui s'appelle... Il y avait un mode dans le jeu qui était Napoléonic 3. La bataille aurait été beaucoup plus longue, mais on n'a pas voulu rallonger la bataille puisque, évidemment, l'intérêt, ça va être d'être en plateau ensuite avec nos joueurs. Et donc, victoire, Virio qui décide de définitivement jeter l'éponge. Donc, on le voit, le déploiement, les pertes. 1500 pertes sur 2100 hommes qui ont été déployés. 1100 tués. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'était énorme. Et donc l'Autriche qui avec 1612 hommes a quand même réussi. On va pouvoir repasser sur la cam. Je vais rapidement prendre les joueurs avec nous pour avoir un peu leur débrief finalement et leur retour. Donc Sigiron et Duchassy qui remportent donc cette partie. Je vais les prendre en call. Bonjour messieurs. Bonjour. Et bien félicitations en tout cas à Duchassy et à Sigiron. Vous avez bien manœuvré. Désolé si malheureusement pour Virio, tu n'as pas réussi à te défaire des Russes et des Autrichiens. C'était compliqué avec toute cette artillerie, cette masse d'artillerie qui m'a bien bloqué le passage sur le centre et sur Telnitz. J'ai pas eu d'autre choix que de me replier.
Il aurait pu y arriver, mais en vrai, c'est très compliqué parce qu'il n'a pas les mêmes effectifs. Enfin, on n'a pas dans tous les cas les mêmes effectifs. Mm-hmm. On n'a pas les mêmes conditions non plus, notamment sur la cave. Okay. Parce que ma cave, effectivement, a pu faire des trucs, mais... La cavalerie, ouais, c'est ça, exactement. Donc on a vu que vous aviez vraiment tenu le plateau, c'est-à-dire que vous n'êtes pas fait avoir, évidemment. C'était le plateau de Pratzen qu'il fallait absolument garder pour Sigérian et du châssis, quoi. Mm. Oui, clairement. Après, quand on joue par nous-mêmes, on a l'avantage en fait de pouvoir commander toutes nos unités. Donc oui. Forcément, c'est un jeu. Alors que dans la réalité, en fait, il y avait des ordres, des contre-ordres. En oui. plus, toutes les unités ne parlaient pas la même langue. Il y avait des Allemands, des Russes. Et donc, il y a eu une cohue pas possible en fait. Et en fait, si on aurait voulu modéliser ça dans la bataille, il aurait fallu mettre des unités de côté qu'on ne puisse pas utiliser. Ah oui, c'est ça. Ouais. Que tu peux pas utiliser, que tu peux moins bien manœuvrer. Qui a peut-être des malus voilà. de morale ou ce genre de choses, et donc ça aurait été compliqué. Donc vous aviez de toute manière un avantage numérique parce que vous étiez plus nombreux, et en plus de ça vous aviez l'avantage du relief parce que vous étiez sur le plateau et vous saviez très bien, vous qui êtes pour la plupart et bien aussi des férus d'histoire, vous saviez qu'il ne fallait oui. absolument pas lâcher ce plateau et que c'était votre salut si vous vouliez l'emporter face au Napoléon de Virio. C'est ça, et au-delà de ça, on a aussi... Moi, la première fois que j'ai vraiment fait la bataille avec eux, parce qu'ils sont quand même un peu plus renseignés que moi, je suis plus sur le médiéval et l'antiquité, et en fait, il y avait des moments où je disais, mais là, je peux envoyer ma cavalerie, parce qu'au début, on travaillait sur le côté historique, dire oui. quand il faut intervenir, etc. Et donc, les mecs me disaient, non, tu peux pas, dans la réalité, c'est pas comme ça. J'étais là, mais c'est pas possible, les mecs, mais comment ils réfléchissaient, les gars, comment ils faisaient, etc. Je comprends pas, il y a plusieurs erreurs tactiques, entre guillemets, après, c'est avec le regard qu'on a derrière, mais... D'accord, oui c'est ça, le regard évidemment contemporain et le regard, les moyens modernes que l'on a comme on le disait avec juste avant, avec Grégory, c'était ce côté où eh bien, maintenant on sait comment ça s'est déroulé, on sait les erreurs qui ont été faites, donc forcément c'est plus simple. En tout cas merci beaucoup à vous trois, merci beaucoup de vous être investis, merci beaucoup Sigérian qui a fait la passerelle avec Duchassis et Virio, merci beaucoup, on s'est régalé, je pense qu'on a vu pas mal de petites choses, ça va être l'occasion avec toi et les gens en plateau de pouvoir revenir sur le vrai déroulé de cette bataille et qu'on puisse comparer ce qui s'est passé. Merci beaucoup les gars. Merci. Merci à vous et bonne émission. Et encore merci beaucoup de nous avoir permis ça. C'était trop chouette. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée et à bientôt. Ciao. Bon, et ben c'était super intéressant d'avoir leur retour aussi. C'était très chouette. Donc ça, c'est la première fois que tu voyais du Napoléon Total War ? Non, j'avais déjà vu. On va pouvoir rejoindre le plateau. Hop, est-ce que tu peux... Tu peux récupérer ton micro-main. Est-ce qu'on a le micro-main qui est sur la table? Voilà, merveilleux. Oui, donc c'est la première fois que tu... C'est pas la première fois que tu voyais du Napoléon Total War? Non, j'y avais déjà joué aussi un petit peu. C'est ça, pour tout dire. Tu connaissais un petit peu. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé autour du plateau de cette partie rejouée de Austerlitz, peut-être, Émilie? J'avais pensé qu'on allait devoir faire de l'Uchronie après pour expliquer que les Français ont gagné historiquement. C'est vrai, ça me perturbe. C'est vrai. Donc les Français ont gagné, on va pouvoir mettre la vidéo justement du déroulement qu'on va pouvoir commenter et remettre un petit peu en contexte au fur et à mesure. Mais c'était intéressant, ils avaient compris l'enjeu principal, c'était ce fameux plateau de Pratzen, donc qui était, comme tu le disais, un petit peu plus pentu que la réalité. On est sur quelque chose de beaucoup plus doux normalement. Oui, c'est beaucoup plus doux et ça a permis notamment aux divisions françaises d'infanterie de pouvoir reprendre la position. Mmh. Là, ils n'auraient jamais pu, sur une colline pareille. Ouais, c'est ça. C'était trop compliqué. C'était quand même d'une audace assez invraisemblable. Parce que la position dominante, en théorie, une fois qu'on y est, c'est difficile de nous déloger. Mais c'est ça. Et on a des récits des soldats qui racontent la montée du plateau de Pratzen qui font froid dans le dos, franchement. Donc vous le voyez, ce plateau de Pratzen, il est juste ici. Vous le voyez, il est un petit peu plus sombre que le reste. Il y avait aussi des routes qui étaient importantes et qu'il fallait garder. Il me semble aussi que c'est notamment notre ami Jean-Baptiste Bernadotte qui en était chargé. Le plateau de Pratzen qui était l'objectif principal. Et pourquoi est-ce qu'on a laissé ce plateau de Pratzen finalement? Parce qu'avec le recul, on se dit qu'il y avait tout pour gagner cette bataille du côté autrichien et russe. Bah en fait, c'est parce que Napoléon voulait la bataille. Mmh. Il voulait la bataille, il voulait vaincre ce jour-là. On le voit, il s'écarte justement du plateau de Pratzen. Et en fait, il savait pertinemment que le plateau de Pratzen était la position stratégique dominante. Et il savait qu'en se retirant du plateau, il donnait l'impression d'être en retraite ou d'être tout du moins dans une situation d'infériorité. Mmh. Et donc, en faisant ça, il savait que les Austro-Russes allaient monter sur le plateau. Et on voit très nettement là qu'en fait, son armée est concentrée vraiment au nord, avec au sud très peu de troupes. Donc, il le fait exprès
pour espérer l'offensive austro-russe sur le sud qui va l'envelopper. Et on le voit bien avec la flèche, là. Donc, en fait, il espère ce mouvement-là. Et ça va effectivement exactement se passer comme ça. Donc, c'est ce mouvement de faucille. Donc, c'est pour ça que c'était très important. On l'a vu au début de la bataille. Il avait réussi à le faire un petit peu au début, Virio. C'était réussir à tenir, en fait, ces deux petits régiments qui étaient là dans les deux villages et au niveau du lac. Il fallait absolument qu'ils tiennent cette position. Ah oui, tout à fait. C'est, si eux craquaient... C'est tout le plan de Napoléon qui tombait à l'eau, puisque effectivement après, les Austro-Russes auraient très bien pu manœuvrer tel qu'ils l'avaient prévu, c'est-à-dire par un mouvement d'enveloppement par le sud. Par le sud et puis par le nord. Mais c'est le corps de Davout qui a mérité tous les honneurs. Davout est arrivé en retard, en fait, après une marche forcée de plus de 40 heures avec ses hommes. Et à la suite de cette marche forcée, ils ont enchaîné aussitôt avec la défense des villages de Telnitz et Sokolnitz. Hey, les gars. Des vrais fous, quoi. Ils sont très... Oui, ils sont très forts. Mais ça va être intéressant parce qu'on vous parlait aussi de la pénibilité du soldat. Ah oui, ils arrivent. Donc justement, voilà. on le voit juste ici. On va parler justement de la pénibilité aussi des conditions de soldats. On a justement eu des facsimilés avec nous. On va peut-être se rendre compte aussi du poids des armes, de l'encombrement de l'équipement. Oui. Et ça va être intéressant de voir ça. Donc le génie, on va dire, Napoléon, sur cette idée, c'est de laisser justement, c'est d'attirer, de faire croire à une faiblesse, alors qu'en fait, il prend... adversaires dans le piège. Et comme nous disait justement Duchassy, il me semble, c'est le fait qu'on avait aussi des troupes en face qui ne parlaient pas la même langue, qui n'étaient peut-être pas si bien équipées que ça. Et ça aussi, ça a beaucoup joué dans l'envoi des ordres dans les contre-ordres aussi qui pouvaient être donnés. Oui, tout à fait. Effectivement, le commandement, il n'y a pas d'unité de commandement du côté austro-russe. Et le plan du maréchal Weyrother, le plan du autrichien, en fait, il y a beaucoup d'officiers, dont Kutuzov, qui est un grand maréchal russe, qui ne veut pas le suivre. Et, et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, à un moment, quand ils vont attaquer au sud du plateau, ils vont être tellement... pris au dépourvu par cette résistance à laquelle ils ne s'attendaient pas, que finalement ils vont s'arrêter et ils ne sauront plus quoi faire. Ils vont attendre des ordres qui vont mettre du temps à arriver. Et puis tout d'un coup, Napoléon arrive avec la masse du corps de Soult sur le plateau. Et là, ils sont pris complètement au dépourvu, ils ne s'attendaient pas à ça, ils ne savent pas réagir en fait. Mmh, c'est ça. Et en face, on a des Français dont le moral est remonté à bloc. On est l'anniversaire du sacre et les soldats ont décidé de dédier la bataille à l'empereur. Ils lui ont dit cette fois-ci, on va vous donner c'est presque un cadeau, en quelque sorte, d'anniversaire. La veille de la bataille, il y a un moment exceptionnel qui est raconté dans toutes les histoires, un peu légendaire, mais qui est véritable. A priori, Napoléon revient au bivouac, il revient d'une exploration nocturne, il manque de trébucher sur un tronc ou une racine, et un soldat, pour lui permettre de rentrer à travers le camp de façon plus sécure, allume un feu avec sa paillasse. Elle lui fait une torche. Et le phénomène se prend dans l'ensemble de l'armée, tout autour du bivouac. Chacun se met à allumer sa paillasse, en sachant qu'il va dormir dans des conditions un peu dramatiques après. Et l'ensemble du camp est illuminé au cri de « Vive l'empereur !» Donc vous êtes face à des gens qui ont entièrement confiance en eux, dans leur général. Et effectivement, par rapport à l'unité un peu problématique des Austro-Russes, c'est aussi un des éléments de la victoire. C'est important, la communication, la vitesse de l'information sur un champ de bataille. Toi, c'est rigolo parce que tu as fait un peu de reconstitution et donc du coup, à des tailles beaucoup plus réduites, notamment chez les Gaulois. Et déjà, rien que pour passer des ordres quand vous êtes 200, c'est compliqué. Tu vois, c'est long, il faut crier, il faut des gens qui gèrent des petits groupes pour pouvoir faire passer les ordres. Les ordres aussi. Ouais, c'est ça. Et en fait, alors après, c'est à nuancer parce que nous, on a un problème que n'avaient pas ces armées-là, c'est qu'on a des gens qui sont extrêmement peu entraîné. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas habitué à l'ordre militaire. L'avantage, par exemple, d'un légionnaire romain, c'est que s'il bouge, son camarade à côté sait qu'il faut bouger de la même façon, et ainsi de suite. Et donc, du coup, tu peux très rapidement, avec un ordre qui est donné dans un coin d'une formation romaine, par exemple, avoir toute la formation qui bouge d'un seul coup. Ce qui n'est pas le cas sur des formations de reconstitution actuellement, enfin, c'est très rare, parce qu'on n'a pas l'entraînement, évidemment, nécessaire pour ce genre de choses. Mais alors... Moi, je suis le candide de cette soirée. Et j'avais lu aussi qu'un des grands avantages de l'armée de Napoléon ce jour-là, c'est qu'elle était aussi beaucoup mieux entraînée que les armées en face et que ça avait forcément, avec le moral dont tu parlais tout à l'heure, ça avait énormément joué parce qu'on est face, on a une armée française qui
à passer son temps juste avant à s'entraîner, notamment au camp de Boulogne, si je ne m'abuse, qui se retrouve face à une armée austro-hongroise et russe qui a été levée un peu comme ça vient, avec des officiers qui sont pas forcément très expérimentés, issus de la noblesse, qui méprisent un peu l'armée française et qui, du coup, tout mis bout à bout, c'est un ensemble de facteurs aussi qui vont précipiter cette défaite. Oui, parce que là, on parle beaucoup de la stratégie de Napoléon, de son coup d'œil, de son efficacité, mais ceux qui gagnent la bataille, c'est quand même effectivement les soldats. Et ces soldats, effectivement, comme tu le dis très bien, sont des soldats extrêmement expérimentés. Pour une grande partie d'entre eux, ont combattu pendant les guerres de la Révolution. Ils se sont entraînés dans le camp de Boulogne. Ils ont vaincu l'armée autrichienne à Ulm. Ils sont effectivement, comme le dit Émilie, sûrs de leur victoire. Et Napoléon sait qu'il peut compter sur eux. Parce que dans le feu d'une bataille, si une unité perd pied, vous pouvez avoir la meilleure stratégie possible, l'unité elle perd pied. Si le moral n'est plus là, les soldats ne peuvent plus continuer à combattre et tout votre plan de bataille s'effondre. Et effectivement, côté austro-russe, c'est effectivement très vrai, les Russes n'avaient jamais connu la bataille pour ceux qui étaient à Austerlitz. Ils n'avaient jamais connu le feu, donc le connaître comme ça, dans ces circonstances, dans une grande bataille, c'était extrêmement, extrêmement difficile. Et côté autrichien, c'était des troupes qui avaient été vaincues à Ulm, qui étaient levées en hâte dans des dépôts, des blessés, des jeunes conscrits. Donc effectivement, ce n'était pas des troupes, à part pour les grenadiers de la garde russe, qui étaient effectivement une troupe d'élite. Sinon, est-ce qu'on peut nous mettre en image quelques uniformes, justement, ça peut être intéressant, juste en fond, comme ça, en continuant à discuter. Évoquer aussi ce qu'on a vu sur le jeu vidéo, c'est le rôle des drapeaux aussi et des instruments de musique, qui sont les outils de communication indispensables sur le champ de bataille et qui sont très bien utilisés aussi dans ce cadre-là, avec un entraînement effectivement efficace. Donc je ne sais tous pas les si dans le jeu vidéo musique, il y avait. Ouais. Je ne sais pas si dans le jeu vidéo il y avait le son de la, des instruments, mais en tous les cas voilà. Non, les grenadiers, l'ensemble des unités même marchent à la vue du drapeau pour ceux qu'on voit. Donc il y a un drapeau par régiment qui est l'enseigne du régiment qui porte l'aigle impérial, l'aigle que Napoléon lui-même a remis solennellement lors d'une cérémonie à chacune de ses unités. Donc c'est là aussi c'est la pièce majeure. Alors c'est même en reconstitution romaine ou gauloise, ça marche sans doute à peu près pareil. Surtout qu'on sait qu'à Rome, le symbole de l'aigle était très, très, très fort. Et on sait à quel point, évidemment, Napoléon avait aussi ce rapport particulier avec l'Empire. Le choix de l'aigle n'était pas neutre. Hein. Absolument. J'imagine. Donc on a le drapeau du régiment. Il y a des drapeaux par unité, par bataillon, en fait. Et puis, au son, parce qu'en vrai, on ne voit quasiment rien. Dans certains cas, à 200 mètres, on devine à peine la couleur de l'uniforme. On n'est pas tout à fait sûr de qui on a en face. Donc au son, les ordres sont transmis, on les connaît par cœur. C'est le fifre, le tambour pour les unités d'infanterie, c'est la qu'aujourd'hui on appellerait presque un clairon, parce qu'en fait elle a pas de piston, elle ressemble plus à un genre de long clairon, la trompette pour les cavaliers, mais c'est comme ça que l'on s'écoute, qu'on se parle, parce qu'au final, y a, à mon avis, ça se raconte assez peu, mais il y a beaucoup, beaucoup de friendly fire. Ah bah il y en a eu à Austerlitz. Hein. Les gars, le friendly fire, les gars, wow, faites attention. Ah oui, à Austerlitz, il y en a eu, il y a des unités françaises qui ont tiré sur d'autres unités françaises. Oui. Donc effectivement, et puis il y a une aigle qui a été capturée par les Russes aussi. Donc la bataille, à un moment, à deux ou trois moments, elle aurait très bien pu effectivement basculer du côté des Austro-Russes, hein, très nettement. Ouais. Ah, les Autrichiens, ils défendent leur propre capitale, hein. Alors, ça aurait pu être l'élément de morale décisif. Oui, elle est déjà tombée, leur capitale, mais ils voulaient la récupérer, effectivement. Alors, moi, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est quelque chose en reconstitution dont on se rend très rapidement compte à quel point les drapeaux et la musique, les sons sont extrêmement importants. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le cri de quelqu'un, surtout en pleine bataille, au bout d'un moment, tu l'entends plus. Donc, tu es obligé déjà d'avoir des systèmes de personnes qui vont relayer les ordres. En règle générale, c'est les hommes qui les redisent eux-mêmes, mais sans musique, sans signal sonore, tu n'entends rien du tout. Et en fait, ta vision se rétrécit, tu ne vois que ce qu'il y a en face de toi. Et du coup, c'est très compliqué d'arriver à avoir vraiment une compréhension de ce qui se passe. Et c'est pour ça que, d'ailleurs qu'on demande aux soldats de ne pas réfléchir à ce qui se passe. Mmh. Et c'est un truc que moi, j'avais expérimenté du coup, il y a 10 ans en Premier Empire, c'est que arriver à un moment, quand t'es en première ligne, que t'es serré avec tes petits camarades épaule contre épaule, que t'as ton fusil comme ça,
En fait, la seule chose que tu peux faire, c'est chanter et pour te donner le rythme pour avancer. Et puis, bah, c'est parti, quoi. T'as beau entendre des trucs autour de toi, t'as beau sentir le sol qui tremble un peu quand il y a des chevaux qui passent et tout. Bah, en fait, on te laisse pas le choix. Et la musique te permet. Ça marche aussi. Oui. En termes tactiques, on encadre exprès par des unités d'élite au sein de chaque bataillon, et même de chaque compagnie en fait. Les compagnies du centre qui sont les plus faibles, sans doute les moins expérimentées, à droite par les grenadiers et à gauche par les voltigeurs. Parce que précisément, eux, ils savent tenir la position et si les deux bouts de la formation tiennent, le reste tiendra. C'est intéressant. Et quel est le retentissement d'Austerlitz au lendemain? Alors, on sait évidemment que ça va servir énormément à la propagande de Napoléon, mais dans le reste de l'Europe, qu'est-ce qui se dit après cette défaite d'un côté d'Austerlitz et cette victoire pour les Français? Défaite ce soir, mais bon. Défaite ce soir sur Napoléon totalois. Ah bah c'est un coup de tonnerre, un nouveau coup de tonnerre. Même pour les contemporains, c'est-à-dire que forcément, nous c'est amplifié, mais c'est une bataille comme on en a rarement connue par sa conclusion, c'est-à-dire qu'à partir de là, l'Autriche est à genoux. Elle n'a plus du tout de force pour pouvoir continuer la guerre. Mmh. Elle est contrainte de demander la paix et les Russes se retirent parce qu'ils n'ont pas les capacités de continuer la guerre, même s'ils sont toujours en guerre contre Napoléon. Il n'y a plus de bataille par la suite. Donc en fait, Napoléon a mis un terme à la troisième coalition anti-française à l'issue de la bataille d'Austerlitz. Mmh. C'est la bataille des trois empereurs quand même. Mmh. C'est ça. On l'appelle comme ça et c'est un seul empereur tout récent qui a à peine un an d'exercice du pouvoir en titre, Napoléon. Face à lui, il a François II du Saint-Empire qui, après la bataille d'Austerlitz, est obligé de démembrer l'ancien Saint-Empire et devient seulement l'empereur d'Autriche, plus l'empereur de Russie, qu'on appelle aussi parfois en France le tsar. Deux empires face à lui, et c'est Napoléon qui gagne. Donc forcément, le retentissement de la bataille est énorme, ne serait-ce que par ça. C'est une rencontre qui n'arrive jamais et qui n'est pas censée arriver. Et en plus, les Romanov, donc, qui sont à ce moment-là tsars, c'est une jeune dynastie aussi, qui doit en plus réussir à se légitimer son pouvoir. Donc on est aussi sur de jeunes empereurs, en tout cas, pour les Russes et les Français. Et Alexandre se voit clairement comme celui qui devrait dominer l'Europe. Hein. La rivalité entre Napoléon et Alexandre, elle est... Elle est fondée en grande partie sur ça. On parle de la vision de Napoléon, mais il y a aussi une vision conquérante du côté russe aussi. Oui. Pas que français. Ah, tout à fait, effectivement. Faut pas imaginer une Europe dans laquelle il y a d'un côté Napoléon très belliqueux, très agressif, et de l'autre côté des puissances européennes qui sont pacifistes. Non, pas du tout. L'Autriche, la Russie, la Prusse, l'Angleterre veulent la guerre. Ah, ça fait 10 ans qu'ils essayent de mettre la France révolutionnaire à genoux parce que c'est un danger. Alors même sa transformation en une sorte de nouvelle monarchie par l'Empire ne fonctionne pas. Hein. Mmh. D'ailleurs, Napoléon fait de son mieux pour essayer de faire croire que rien n'a changé. Les monnaies continuent à porter République française pendant encore quelques années. Et même si ça devient petit à petit une fiction et que c'est un nouveau système monarchique qui se met en place, pour les puissances européennes, la France révolutionnaire et ce que Napoléon en fait est un danger, d'autant que toutes ces années de guerre ont formé la meilleure armée du monde. Mmh. Ah oui. Et là, ça se voit en fait à Austerlitz. Napoléon le fait d'ailleurs exprès. Jusque-là, il parlait essentiellement de la bataille d'Arcole, de la bataille de Lodi, mmh. quand il se mettait en avant, quand il créait sa propre légende, et il l'a fait très volontairement. Après la bataille d'Austerlitz, c'est la seule bataille de référence. Mmh. Dans le discours de Napoléon, elle a pris la place prépondérante qu'elle a encore aujourd'hui, en fait. Sylvie. Et aussi, effectivement, pour revenir sur ce que tu disais, le retentissement, c'est vrai que Napoléon, il a mis au point un système avec des journaux, et je lisais tout à l'heure quelqu'un qui disait « oui, mais les soldats sont souvent illettrés, etc. Mmh. » Mais en fait, ceux qui savent lire relaient le message. Et donc, il y a effectivement tout un système qui est déjà mis en place et qui va servir à inonder, entre guillemets, en plusieurs langues, le retentissement, en tous les cas, rappeler ce retentissement de cette bataille. On le disait, évidemment, ce sont des généraux, Napoléon, qui ont porté le prestige de cette bataille, mais ce sont évidemment les soldats qui ont fait cette victoire aussi. On va revenir avec différents objets juste après sur justement quel était l'équipement du soldat. C'est aussi l'intérêt de comprendre quelles sont les conditions, comment est-ce qu'on traverse l'Europe. On fait, comme on le disait, plus de 100 km pour après arriver sur un champ de bataille. De quoi est composée une armée à cette époque-là? C'est vrai qu'on voit sur les films qui veulent essayer de nous reconstituer des batailles, on ne voit que les soldats, mais il n'y avait que eux qui étaient dans cette armée. Effectivement, il y avait toute une logistique derrière pour approvisionner cette armée. Il y avait des caissons à munitions, des caissons d'approvisionnement. Oui, il n'y a pas que des soldats, effectivement, mais même si c'est aussi ces caissons...
ces caissons sont militarisées, donc c'est quand même aussi des soldats qui les transportent, mais ce n'est pas forcément eux qui combattent. Il y a des entreprises dédiées, en fait, hein, qui font de la fourniture aux armées de plus en plus. Mmh. Et d'ailleurs, c'est en général le bon moment pour s'enrichir. Donc Napoléon essaye au long de son règne, à partir surtout de 1807-1809, d'organiser une fourniture aux armées qui soit militaire aux ordres de l'administration. Précisément parce que c'est le royaume de l'abus si on continue dans le sens qui était initié depuis la Révolution et même avant. Ce qui est intéressant, en fait, je trouve, à voir le jeu et à le confronter à la réalité, c'est un peu comme... il y a quelque chose de tout à fait séduisant. Et c'est pareil en reconstitution. Quand tu disais tout à l'heure, les 5 000 euros en question, c'est pour avoir son équipement complet. Mais en fait, il n'y a pas de soldat qui avait son équipement complet de A à Z. Éventuellement, 2-3 fils de famille comme Marbeau, quand il raconte dans ses mémoires que son papa est allé l'a accompagné, qui était général, hein, l'a accompagné chez le tailleur pour se faire faire une vraie tenue de hussard et qu'il explique qu'il est tout content, mais il doit avoir 17 ans, quelque chose comme ça, et il y a quelque chose d'assez extraordinaire, de très émouvant dans ce souvenir, mais c'est rarissime. Les soldats qui sont arrivés jusqu'au plateau de Pratzen, ils ressemblent absolument pas aux gravures de mode du jeu vidéo, oui, et c'est normal. Ouais, c'est clair, mais justement, qu'est-ce que traduisent aussi justement tu parles d'équipements, mais aussi ces uniformes finalement. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être pas pour le soldat, on va dire de base, mais quand on voit ces beaux uniformes, ils sont aussi des objets de mode en fait quand on les voit aujourd'hui. Est-ce que ça doit traduire une idée. Il faut être beau sur le champ de bataille. Il y a quelque chose comme ça qui rentre en ligne de compte aussi. Pour recruter un soldat, déjà, il faut effectivement que... Enfin, pour recruter quelqu'un, il faut qu'il y ait un uniforme qui soit attrayant. On n'est pas du tout dans la conception du vêtement d'aujourd'hui. On n'a pas 50 000 vêtements dans notre garde-robe. Donc, effectivement, ces uniformes qui servent sur le champ de bataille avec l'histoire des couleurs, avec les couleurs distinctives, les formes des chapeaux, etc., c'est quelque chose qui va attirer aussi dans l'armée, en partie, en tous les cas. Là, on a le grenadier à cheval de la garde. C'est l'une des unités les plus prestigieuses de l'armée. Alors voilà, gros plan sur le plateau de Ceinturon avec la grenade qui représente une unité d'élite. Les grenadiers ne lancent plus de grenades sur le champ de bataille, mais la grenade continue pendant tout le 19e siècle d'ailleurs à incarner l'unité d'élite. On voit les gants blancs à crispin, on voit les aiguillettes sur le côté de l'épaule, la Légion d'honneur et le grand bonnet à poil. Alors les grenadiers à cheval sont très spécialement recrutés parmi les plus grands. C'est le minimum du 1,70 m que vous calez sur un énorme sel français, donc les plus gros canassons possibles, et vous leur ajoutez environ 70 cm de bonnet à poil sur la tête avec un plumet. D'accord. Donc quand vous mettez à côté de ça Napoléon sur son petit pur sang arabe et sa redingote grise et son fameux petit chapeau qui est qui porte, alors on ne dit pas de travers, parce qu'en fait de travers ça a un sens aussi pour la coiffure, oui. C'est quand on la porte comme ça, oui. Un peu sur l'œil, on appelle ça avoir l'air crâne, c'est vraiment pour faire le barbeau en fait. Napoléon le porte, on dit en bataille, c'est dans le sens des épaules, okay. Mais le bicorne qui est devenu iconique, qui n'est pas du tout décoré, vous avez vu tout à l'heure les bicornes des généraux qui eux le portent en colonne, avec les broderies, les plumes, etc. Donc vous mettez Napoléon avec sa redingote et son petit chapeau à côté de ses grenadiers à cheval monstrueux et de ses officiers tout chamarrés, comme la tenue de général que vous voyez là, avec la Légion d'honneur et l'ordre de la couronne de fer, les boutons de l'état-major, les épaulettes dorées à franges, toute la broderie de feuilles de chêne double rang pour un général de division. Vous mettez Napoléon tout simple, pas très de taille moyenne en fait, pas petit, mais juste de taille moyenne. Hein, il fait environ 1,68 m, le soldat moyen fait entre environ 1,66-1,67 m. Donc Napoléon n'est pas petit, mais par contre, à côté du grenadier et du général, monté sur leurs gros chevaux, il a l'air minuscule. Mais quand il claque des doigts, tout le monde part. C'est pour ça qu'il fait peur. C'est ça. Et puis, il y a cette manière aussi, de par sa tenue, quand il devient empereur des Français, de se rapprocher de ses soldats, de donner cette impression de proximité, mais tout en demandant à ses généraux, à ses maréchaux, d'avoir des tenues extrêmement luxueuses, chamarrées, pour le prestige de la France. En fait. C'est toute la gloire de l'Empire, effectivement, toute la France qui est portée avec l'uniforme. Les soldats doivent en prendre un extrême soin. Et ce qui est très intéressant, c'est de savoir aussi qu'après les guerres napoléoniennes, et même
même pendant les guerres napoléoniennes. Grégory le dira mieux que moi, mais la Prusse, la Russie notamment, ont réformé leurs armées pour arriver à vaincre Napoléon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en réformant leurs armées ? Ils se sont inspirés des tactiques de l'armée de Napoléon, de certaines de ses innovations, mais aussi des uniformes. Ce que vous voyez aujourd'hui sur la tête des grenadiers anglais qui gardent Buckingham, c'est une copie, parce qu'on a remarqué que les grenadiers français, unité d'élite hyper prestigieuse et hyper efficace, comme on le voit à Austerlitz, les grenadiers français, avec leur coiffure, étaient tout à fait remarquables, et on a voulu les mêmes. C'est ça, donc c'est bien, ils ont récupéré ce côté-là. Mais justement, c'est parler de ça, c'est aussi l'impact, on va dire, évidemment, dans la mode, si je puis dire, ou en tout cas, comment est-ce que ça s'est propagé après un peu partout ? Parce que ce qu'on voit justement avec ces uniformes, c'est que moi, qui ne suis pas du tout un expert d'uniforme militaire, c'est quand même, je sais pas, marqué un petit peu dans ma mémoire que quand je vois l'uniforme ancien militaire français, c'est celui-là que je vois. Il y a une qualité française aussi, dans la fabrication du matériel, dans la fabrication des uniformes. Je suis un peu désolée parce que je vais avoir l'impression d'être chauvine, mais c'est tout à fait indéniable quand vous placez un uniforme britannique de l'époque à côté d'un uniforme français, même si on n'est pas au niveau des généraux, et surtout d'ailleurs dans la troupe, ça se voit. La qualité du drap est largement supérieure, la qualité des coutures. C'est vraiment un soin extrême qui est apporté à la fabrication et donc à la représentation, en fait, aux soldats. Ce qui va avec l'uniforme, c'est une certaine prestance aussi. Moi, c'est souvent le reproche que je fais. Alors, pas forcément aux reconstitutionnistes qui sont très attentifs à ça, en général, mais plutôt aux acteurs dans les films ou dans les séries. Un homme qui porte un uniforme comme celui-là, il est obligé de se tenir. Il est obligé d'avoir la tête bien droite. Il a le shako ou le chapeau ou le bonnet à poil qu'il est obligé de faire tenir en équilibre sur sa tête. Avec le shako, il a en plus la visière. Oui, c'est ça. Donc si vous tenez pas droit, vous ressemblez absolument à rien. D'ailleurs, c'est pas possible en fait physiquement. C'est un problème. Alors, j'en parle en ce moment. C'est un problème de costumier moderne qui va changer l'uniforme ou changer la tenue pour l'adapter à un acteur, à ce qu'il pense être l'idéal pour l'acteur, les comédiens ou même les figurants, en oubliant au passage que le costume impulse le personnage et que si ces uniformes ont été faits comme ça, c'est qu'ils vont forcer une certaine manière de se tenir, une certaine manière de dégager quelque chose, une certaine manière de bouger, et c'est ça qui va donner la crédibilité au personnage. Et malheureusement, c'est une dérive de costumier moderne que de virer ça en essayant de faire au plus pratique, mais ce faisant, on perd en crédibilité. Oui, il y a même des tenues dans lesquelles, alors juste après le Premier Empire, ça ne se faisait pas encore trop pendant le Premier Empire, mais dans les 20 ans qui suivent, les hommes portent corset. D'accord. Pour pouvoir se tenir encore mieux et avoir la taille fine et séduire les dames. Ils mettent pour le corset. Corset, oui. Mais c'est même masculin et c'est on a bien élégant. Fait d'être né à une certaine époque. Même à cette période-là, c'est pas si désagréable. L'uniforme t'oblige à être en fait bien droit, effectivement, mais à côté de ça, quelque chose que les costumiers d'aujourd'hui ont du mal à reproduire parce que ça leur semble moche par rapport à nos vêtements d'aujourd'hui, c'est des épaules qui vont être beaucoup plus basses, des espèces de soufflets qui vont permettre tout simplement de lever les bras parce que l'uniforme n'est pas du tout élastique comme nos vêtements d'aujourd'hui qui sont plutôt issus du sportswear américain de la Seconde Guerre mondiale. Et par exemple, en ce qui concerne la culotte, derrière, mieux vaut effectivement cacher la culotte de cheval. avec effectivement une veste longue parce que ça fait une grosse couche culotte en réalité. Et puis, si je ne m'abuse, les coutures sur les patrons d'uniformes d'Empire tirent vers l'arrière, les épaules en arrière. C'est-à-dire que nous, on a tendance à avoir, comme sur la veste que je porte là, des coutures qui sont au niveau des épaules et qui vont redescendre souvent en dessous, alors que la couture Empire part en... Ça va être compliqué de faire le geste avec le micro. Vas-y, je te tiens, si tu veux. Elle fait ça dans le dos, comme ça. Et donc du coup, ça a tendance à tirer les épaules vers l'arrière, et donc forcément à impulser une autre manière de se tenir. Et ça avait commencé avant. Hein. C'est super intéressant. Ça avait commencé déjà à l'époque de Louis XIV, quand l'uniforme devient systématique dans l'armée. Ça impulse aussi, c'est lié également au mode de combat. Quand tu disais tout à l'heure que c'est pas du tout comme ça qu'on va sur le champ de bataille aujourd'hui, oui, parce qu'aujourd'hui on a des nécessités de camouflage. On a des combats qui peuvent se faire en tirailleur,
seigneurs, comme on dirait sous le Premier Empire, c'est-à-dire avec des ordres dispersés et la nécessité pour chacun d'être un petit peu discret, de pouvoir éventuellement tirer à distance sur l'ennemi, harceler, etc. Ce n'est pas du tout le mode de combat prioritaire et majeur à l'époque. Ça commence seulement à se mettre en place sous réserve, Grégory. Mais le grand principe de l'époque, c'est pas d'être camouflé, c'est d'être vu. D'accord, ah oui. Oui, c'est important. Et bien, c'est quand même très différent d'aujourd'hui. Et là, on se couche pas au sol, ou alors c'est qu'on n'a vraiment pas le choix, quoi. Et l'armement ne le permet pas, d'ailleurs. Hein. On va le voir dans un petit instant. On va pas tarder à y aller, ouais, tout à fait. Le fusil se recharge debout. Hein. Et oui, on ne peut pas faire autrement. on tourne et tout ça. Oui, je vois. Mais c'est important. Ça, je trouve ça intéressant aussi de les considérations, finalement, matérielles. Comment est-ce qu'elles comment est-ce que le combat influe sur le matériel et vice versa aussi. Comme on le dit, la manière de combattre forcément influe sur la manière dont on est habillé et comme tu le disais forcément les conflits qui nous sont beaucoup plus contemporains aujourd'hui ont aussi beaucoup influencé aujourd'hui la mode, le sportswear américain, les tenues militaires et inévitablement ensuite notre société aujourd'hui à travers du jogging par exemple. Mais ce va-et-vient de la mode civile, mode militaire entre guillemets, il existe déjà depuis très très longtemps en réalité et pour les premiers uniformes c'est la mode civile qui influence mode militaire. On adapte des tenues civiles. Oui, même. Parce qu'on n'a pas 50 000 manières de les fabriquer, avec les matières, etc. Alors qu'aujourd'hui, ça a changé. Effectivement. Ce qui est amusant, c'est qu'avec l'uniforme, en fait, vous faites exister ou vous continuez à faire exister des réalités de la mode civile qui finalement disparaissent. Par exemple, les retroussis, c'est-à-dire la partie arrière, la partie repliée des basques. La basque, c'est ce qui tombe derrière au niveau du postérieur, en bas de l'habit. On les replie en général parce que ça prend trop de place, mais auparavant, les basques, elles revenaient jusque devant pour bien tenir chaud. Sous le Premier Empire, c'est devenu un genre d'ornement qui tombe derrière en queue, qui cache effectivement un peu la culotte de cheval quand c'est possible. Mais petit à petit, elles se raccourcissent jusqu'à devenir une espèce de simple forme qui n'a aucune existence. Les retroussis qui sont les plis qui étaient formés parce que la doublure et de couleurs étaient de couleurs différentes en fait du fond de l'habit, donc ça donnait une petite bande à l'arrière quand c'était plié. Les retroussis finissent par n'être plus pliés mais simplement cousus, et tout ça alors que l'usage des basques du retroussi disparaissent complètement dans la mode civile. Oui. Donc c'est assez marrant, c'est parce que après les civils revoient l'uniforme militaire et se disent tiens mais on va s'en inspirer, et vous avez un va-et-vient constant. Très très intéressant. Alors pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes beaucoup effectivement sur le live, donc nous sommes effectivement aux Invalides, nous sommes dans le grand salon des Invalides, c'est le dôme des Invalides qui est juste derrière moi. Oui, c'est le dôme des Invalides, évidemment. Il y a Napoléon juste derrière toi. Tout à fait, justement, le tombeau de Napoléon, donc, qui est juste derrière le dôme des Invalides. Donc, on fait cette émission autour, justement, du bicentenaire de la disparition de Napoléon. Alors, Napoléon, c'est un océan historique, historiographique. On ne pourra pas tout aborder, le mythe du personnage, mais aussi les côtés les plus sombres qui sont mis aussi en avant ces derniers temps et qui sont aussi très intéressants, évidemment. Mais on a décidé ce soir, eh bien, avec l'équipe du Musée de l'Armée, je remercie aussi énormément le Musée de l'Armée qui a permis à ce live d'être possible. Eh bien, on discute plus autour de la bataille d'Austerlitz, qui est notre point de départ, mais aussi du quotidien des soldats. Qu'est-ce que c'est aussi que d'être finalement soldat sous Napoléon ? Et finalement, vous voyez, on arrive à faire des allers-retours aussi avec la société de l'époque napoléonienne aussi. Donc c'est vraiment des échanges très intéressants. On parlait justement de la société napoléonienne. Alors elle est marquée, on le parlait de manière vestimentaire, mais aussi dans l'idéologie. Il y a des objets qui représentent aussi ça. Et vous l'avez dans l'exposition justement que vous faites actuellement au Musée de l'Armée, Napoléon n'est plus. C'est cette fameuse épée d'Austerlitz. Donc c'est une épée qu'on va pouvoir voir à l'image. Et c'est une épée, donc qu'est-ce qu'elle représente ? Elle est faite après justement la bataille d'Austerlitz. Et elle est là pour commémorer l'événement. Non, pas tout à fait. En fait, d'accord. C'est une épée de service. D'accord. Donc, c'est une épée en fait d'usage fantasy. C'est pas réglementaire exactement la façon dont elle est faite. Elle est réalisée par Martin Guillaume Biennet, orfèvre du premier consul, puis orfèvre de l'empereur à Paris. Et effectivement, ce qui peut créer la confusion ou donner l'impression que c'est une épée commémorative, c'est qu'elle porte une gravure et dorée, indiquant épée que portait l'empereur à la bataille d'Austerlitz. Sauf que c'est postérieur, et ça montre aussi l'importance de la bataille d'Austerlitz, puisque c'est Napoléon lui-même, a priori, qui a fait inscrire sur la lame cette inscription commémorative. Et l'épée elle-même, elle date plutôt des environs de 1803. Napoléon en avait plusieurs de ce genre-là. Ce qui est même assez amusant, c'est que... Elle est toute fine, quoi. C'est vraiment... on dirait, c'est quand je vois les mains, justement, qui manipulent l'épée, elle est vraiment...
C'est ça, c'est, ah, c'est minuscule. Une belle lame triangulaire. Hein. Alors, il y a des lames qui, aujourd'hui, sur les épées, font un peu des lames décor, des espèces de gros blocs de métal. Toutes les armes sous le Premier Empire, même quand elles ont une fonction plutôt honorifique, elles sont destinées à tuer. Parmi les, je sais, il faut bien le dire, massacre des pixels ce soir, c'est beaucoup plus sain. mais il y a des armes qui peuvent être parmi les plus sublimes d'entre elles, les mieux équilibrées. Je pense au sabre de grenadier à cheval de la garde des consuls, par exemple. Ce sont des instruments de mort, même quand elles sont splendides et qu'elles ne servent pas. Oui. Vous la tenez en main et vous vous dites, là, il va falloir que je tue quelqu'un. C'est pour ça qu'on ne lui donnera pas d'armes. Oui, évidemment. Ce soir. Vous êtes en sécurité autour de ce plateau. On considère que c'est souvent d'ailleurs la marque des bonnes armes, le fait de les prendre et de se dire d'accord, il n'y a pas besoin de ça s'en marche. Servir, c'est juste la prendre et se dire, d'un savoir tout de suite à quoi c'est destiné. Et moi, c'est toute l'ambiguïté de ces armes-là qui sont vraiment splendides, qu'on peut exposer comme des objets d'art, il ne faut jamais oublier à quoi elles servent. J'ai une question très bête et je suis ignorant là-dessus, pourquoi une lame triangulaire ? Est-ce qu'elle a une parée à une lame plate ? Est-ce qu'elle est plus intéressante, j'imagine, dans un certain cas ? Alors ça lui, oui, voilà, c'est ça. Dans un certain cas, un certain type d'usage, ça lui donne une belle rigidité et une belle souplesse lorsqu'il est question notamment de frapper des stocks. Hein. C'est pas du tout des lames pour la taille. Celles-ci sont des épées sur le modèle presque de l'épée civile. Des stocks, c'est vraiment on va transpercer. On va transpercer, d'accord. De taille, c'est plus les armes de la cavalerie. Mmh. Et encore, on va voir tout à l'heure, parce que Sylvie nous a amené, je crois, aussi un sabre de cuirassier. Les méthodes elles-mêmes, en fonction du type de cavalerie, les armes sont adaptées aux méthodes de frappe. D'accord. Et pour faire un parallèle avec une période qui est un petit peu plus connue, peut-être au niveau armement pour certains, c'est la baïonnette de la Première Guerre mondiale qui est taillée en biseau comme cela. Mm-hmm. Pas tout à fait comme celle qu'on vient de voir avec l'épée d'Austerlitz, mais il y a quand même ce fait de pouvoir enfoncer la lame, en fait. Tout à fait. Sur des uniformes qui sont en laine épaisse, tu as plutôt intérêt à avoir une lame qui vraiment est suffisamment solide pour les transpercer si tu en as besoin. D'accord, très bien. Oui, c'est ça. C'est qui va être vraiment les stocks est important. Et le triangulaire aide aussi beaucoup à ça. Comme des minis, il y a vraiment cette notion de solidité qui va être plus importante, tout en étant quand même un peu flexible, mais ça te permet de percer plus facilement un uniforme en laine. Ce qui est le même principe que la baïonnette Première Guerre. Alors, ça plie pas tout à fait comme une épée moderne. Hein. Une lame d'escrime sportive aujourd'hui, elle fait un arc de cercle, là pas. J'essaierai pas. Tout à fait. Alors, il y en a qui ont essayé. Alors, on va en profiter justement. On commence à parler un peu de l'armement. On va commencer justement à revenir sur les objets qu'on va pouvoir amener. On va commencer doucement à se diriger vers les facsimilés. Alors, on va en profiter pour revenir sur des sabres justement. On va en voir eux qui sont pas triangulaires, mais qui sont, on va dire, beaucoup plus plats. Et tu nous as ramené justement des facsimilés. Alors, c'est des facsimilés, donc ce ne sont pas des objets historiques, mais tu les utilises du coup dans tes ateliers de médiation. Voilà, dans les ateliers de médiation ou lors d'événements comme celui-ci, par exemple. L'idée, c'est de te faire prendre en compte, de vous faire prendre en compte le poids de l'équipement, de l'ensemble de l'équipement. On ne va pas pouvoir faire l'ensemble complètement, mais au moins de se rendre compte, à bout de bras, combien ça pèse. Très bien. Donc, il faut que vous imaginiez, pour ces soldats, on a parlé tout à l'heure de ceux qui sont venus à marche forcée, en moyenne, ils marchent à 4 km/h, ils parcourent 30 à 40 km par jour, les autres, là, c'était 70 km. Ils ont deux chaussures identiques. Elles ne sont pas taillées pour le pied droit, taillées pour le pied gauche. Donc, c'est votre pied qui adapte la chaussure. Hein. Ensuite, l'uniforme en drap de laine... Quand vous avez des chaussures, exactement. Hein, l'uniforme en drap de laine est beaucoup plus raide et beaucoup plus rêche. Et en même temps, il n'est pas complètement imperméable. Oui, quand il pleut, ça boit la pluie. Ça doit être hyper agréable. Et c'est pesant, en fait. Extrêmement pesant. Et effectivement, vous avez un havresac que je n'ai pas rempli pour vous, malgré tout. Hein, en moyenne, vous portez entre 20 et 35 kilos. Avec votre équipement. Si on regarde l'armement, entre le fusil avec la baïonnette au bout, un sabre, les grenadiers ont sabre plus sabre briquet, il faut imaginer entre 8 et 9 kilos rien que pour l'armement. Donc on est sur quasiment 40 kilos d'armement. Disons plutôt en moyenne entre 25 et 30 kilos. C'est énorme. Alors ça n'a rien d'étonnant en fait parce que, j'en profitais pour placer un peu de propagande. Mais oui. Ça n'a rien d'étonnant parce qu'il existe un rapport poids-taille,
enfin poids, encombrement et praticité sur le champ de bataille depuis quasiment, enfin en tout cas depuis le tout début qu'on puisse mesurer les armes portées par des soldats ou des guerriers, et c'est systématiquement le même, c'est entre 20 et 40 kilos. Ouais. Donc un soldat de la Rome antique va porter ce poids-là. Un soldat de l'armée de Guillaume le Conquérant va porter ce poids-là. Mmh. Un soldat de la fin du Moyen-Âge va porter ce poids-là. Tous les soldats, les soldats et les guerriers, parce qu'il n'y a pas que des soldats, bien entraînés, avec un bon équipement, un équipement correct, vont porter ce poids-là. En fait, ce n'est pas du tout surprenant, c'est juste hasard, le rapport classique de l'histoire. J'avais entendu particulièrement moins ou plus, tu vois, ça qui est intéressant, c'est toujours assez, le même. Assez similaire. Voilà. Et première guerre, seconde guerre, c'est exactement le même. Avec Sylvie, peut-être tu vas pouvoir nous suivre aussi, Thibaut, et on va pouvoir, eh bien... Des jouets. Alors, on va nous suivre avec la caméra, évidemment, mobile, je reste un petit peu là. On va pouvoir regarder. Oh, je pense qu'on va aller là-bas, à mon avis, ce sera le plus simple, comme on a un spot lumineux et tout ça. J'ai mon micro et que je suis pas comme vous. Tu n'as pas. Ah oui, c'est vrai. Il faut que tu prennes ton micro, exactement. En fait, je vais vous suivre. Comme ça, en tout cas, maintenant, il fait suffisamment nuit pour que vous puissiez voir le dôme des Invalides juste derrière. Et c'est vrai que l'image rend pas trop mal. L'image est incroyable. Tout à l'heure, je regardais. Regarde, je peux même me cacher comme ça. Regarde. Ce petit recul. Regarde, je peux même me cacher comme ça. Eh bien, il est parti, messieurs, dames. Du coup, on va faire autrement. On va jouer avec des jouets. On va parler aux gens. On va. Ah, bah, ça change. Merci d'être venu. Je sais pas faire. On est bon. On a le cadreur qui est juste avec nous. Alors, justement. On va commencer par le shako, même s'il ne porte pas de shako à la bataille d'Austerlitz, bien que ce soit une coiffure qui existe auparavant. C'est marrant, il y a une sorte à la bataille d'Austerlitz pour les Français, ils ont plutôt le vipère. Moi, j'ai une grande tête, hein, donc j'ai une grosse tête. Mais là, on voit très bien ce dont on parlait tout à l'heure. Quelle taille tu fais ? 1m93. Ok, 1m93, t'imagines que là, avec le shako, en termes de stature, c'est juste inimaginable en fait. Hein. Sûr. Donc, tu es extrêmement grand. Droit. Tu rentres en boîte de nuit avec ça ? Vraiment, tu as un cheveu qui est attaché à ton. Donc, avec la plaque de l'aigle juste devant, et puis un plumet qui va augmenter la taille. Mais c'est hyper grand, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir tenir au niveau de la nuque, au niveau des abdos, également, pour garder ce chapeau. C'est ça, ok. Ouais. Parce que là, du coup, si tu essayes de faire ça d'un côté ou de l'autre, tu vois que tu sens que ton centre de gravité, il faudrait qu'il soit un petit peu plus ajusté. Très bien. On va mettre le havresac. Parfait, je suis très très bien, super. Voilà, allez, donc salut. Il n'est pas chargé. Tu es de vacances ou pas là ? Je vais à l'école. Au revoir maman. Drôle d'ambiance. On va aussi mettre la giberne. Alors, hop. Hop. Super. Au top. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci beaucoup. C'est pour l'élégance. Donc, elle se porte un petit peu plus derrière, en fait. Plus derrière, ok. Ouais. C'est assez léger. Parce qu'elle n'est pas chargée, ça. Elle n'est pas du tout chargée. On va continuer. C'est vrai que t'as une grosse tête, toi. Oui, par rapport à la taille de mon cerveau, bien sûr. De l'autre côté ? On va faire ça après. J'ai mon épée, tout à fait, ouais. Alors attends, du coup, on va récupérer ton shako. Alors attends, je vais mettre la giberne de l'autre côté. Hop. On va faire. Oui. C'est le moment de la révélation où tu vas te retrouver avec le fusil entre les mains. Tout à fait. Donc, je les touche avec les mains, puisque effectivement, sans gants, puisque ce sont des facsimilés. Évidemment. Mais ça n'empêchera pas qu'ils passent régulièrement dans nos ateliers pour pouvoir enlever les taches de rouille, etc., qui vont se créer avec l'humidité. Oh, c'est... Voilà. Oh, c'est lourd. Ah, c'est lourd. Oh, c'est tellement lourd. Donc, c'est lourd que vous l'ayez Je vais le prendre dans ce côté-là. Que vous l'ayez en Je pense qu'on peut se rapprocher avec la caméra pour voir un petit peu le truc parce que c'est. Donc, c'est assez lourd quand même, j'avoue que. Donc, on est autour de 4 kilos. Hein, oui, ah ouais, mais en fait, ça penche vers l'avant en fait. C'est-à-dire que. En vrai, c'est assez équilibré, mais c'est très lourd à porter. Là. Enfin, mon bras gauche, je suis déjà un peu en mode... Voilà. Et donc, comment est-ce que je tire ? Je l'amène pas à l'œil non, comme ça ? Non, pas à l'œil, effectivement. Parce que, en fait, quand on va tirer le chien en arrière... c'est même l'inverse. Il va falloir que tu pousses tes yeux. On va rabattre le bassinet. Et quand vous allez quand tu vas appuyer sur la détente... Ok. Alors, je vais essayer de ne pas pointer le cadreur. Ce qui va se passer, c'est que tu vas tirer sur une masse qui est en face. Donc, ton tir, il est courbe. Donc, tu vas tirer légèrement au-dessus. Comme ça ? Voilà. Ok. Et quand tu vas appuyer sur la détente... Et je sais qu'il n'y a aucune balle, qu'il n'y a pas de poudre. Sachant que là, tu vas avoir un bon recul. Il y a eu des accidents comme ça. Même là, là, il n'y a rien. Normalement, il vaut mieux placer un peu plus bas. Ok. Écartez-vous, attention, c'est parti. Attends, c'est là qu'il faut...
Il ne s'est rien passé, c'est énorme. Petite étincelle, bien sûr, évidemment. Donc, pour charger l'arme à feu, et ce que disait Émilie tout à l'heure, c'est que... C'est génial, ici. Il faut effectivement repenser à la taille de l'homme de taille moyenne de cette époque, qui n'est pas la taille que tu as aujourd'hui. Tout à fait. Donc plutôt autour d'1m65, il faut rajouter la baïonnette. Donc même les grenadiers sont un peu plus petits, qui sont recrutés pour mesurer au minimum 1m75, ma taille. Ils sont plus petits que la hauteur de l'arme complète. D'accord. Ah oui. Donc, voilà. D'accord, ah oui, avec la baïonnette et tout ça, quoi. Voilà. D'accord. Et tout à l'heure, on vous passait à l'écran le chargement, justement. Et on peut de le passer, le chargement de ce fusil, du fusil 1777. Modèle 1777. Donc, Napoléon n'invente pas, hein, il ne va pas créer un nouvel armement, il va reprendre un armement existant parce que c'est long de créer un nouveau système d'armes. Mm-hmm. Et d'autre part, parce que, effectivement, il préfère utiliser des armes qui sont déjà éprouvées, qui sont résistantes, comme ce fusil modèle 1777. Que les gens savent utiliser, en tous les cas les soldats. Donc voilà, on va plutôt abonder dans ce sens-là. Donc là, on est en train de mettre la vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe, un rechargement. Alors, il va falloir que tu mimes, en fait. Et alors, il le montre, il le montre. Non, allez, pour une charge en 12 temps. Donc tu prends d'abord, tu prends d'abord dans ta giberne, tu prends ta cartouche de papier huilé que tu as préparée à l'avance. Hop. Tu croques un petit bout, mais il faut que tu aies déjà ton fusil levé. Quoi? Voilà, que tu aies ouvert ton bassinet. Et que comme tu glisses, que tu glisses une dose ici, de poudre. C'est la fin, ça, voilà, tac, tu refermes le bassinet, tu as perdu ta cartouche, là. Mais c'est à la fin, ça, normalement. C'est quand il est prêt à tirer, il met sa... Non, je confonds. Non. Parce que du coup, s'il le renverse pour charger, ça va s'en aller. Non, en fait, c'est parce que là, ça doit être tiré. Ah oui, là, je mets là. Okay. Attention aux doigts. Très bien. Ensuite, tu reposes ton fusil sur le sol. Bon, tu n'as pas perdu normalement ta cartouche, tu l'as gardée pincée pour la glisser à l'intérieur. Tu vas enlever la baguette. Très bien. Tu vas la retourner. C'est super. Donc là aussi, ça veut dire qu'il faut... Il faut que ça aille au fond du fusil, quoi. C'est vrai. Et là, il faut que je le... Et tu vas la lâcher et tu vas la récupérer au vol. Lâche-la véritablement. Non. Lâche-la carrément. Ah, il faut la lâcher. Et récupère-la. Oh, et sinon, elle est au fond. Quel enfer. Et tu fais deux fois. Et ensuite, tu retires ta baguette. Très bien, on est bien. Baguette, on est prêt à aller sur le champ de bataille, moi, je vais vous le dire. Tu la retournes, tu la remets dans son trou parce que tu n'as qu'une seule baguette. Il va falloir la garder. Sinon, je peux demander à un collègue, tu n'as pas ta baguette, toi, je l'ai perdue. À nouveau, tu soulèves l'arme à feu. OK. Donc là... Il y a des gens qui avancent sur moi pendant que je fais ça, on est d'accord. Voilà, exactement. Qui te tirent dessus, parce que ça fait... Qui me tire dessus, c'est ça. Mon chien doit être retiré encore. Comme ça. Et là, c'est prêt. Et là, c'est reparti, quoi. Donc, ça veut dire que, comme le disait Émilie tout à l'heure, ils doivent forcément être debout, les uns à côté des autres. En 3 ou 4 rangées. Vous avez vu sur le jeu vidéo plusieurs fois le carré d'infanterie, par exemple, ou d'autres systèmes, d'autres tactiques. Et ceux qui sont à l'avant vont passer à l'arrière pour pouvoir recharger pendant que les autres vont tirer aux ordres. Donc du coup, je repars derrière. Hop. En faisant attention de ne pas blesser les autres avec ta baïonnette. Et moi, je m'en vais pour de bon. Je suis en mode, moi, je m'en vais. C'est trop compliqué. Et en fait, tu disais tout à l'heure l'amener à l'œil et tout. En fait, quand tu tires avec ça, tu as une poudre qui fait beaucoup de fumée. Oui. La poudre sans fumée n'avait pas encore été inventée. Et donc, du coup, tu te retrouves avec des espèces de projections de poudre et de petites étincelles. Du coup, en règle générale, on te conseille de fermer les yeux ou de détourner les yeux au moment où tu tires. Parce que j'ai vu... c'est vrai quand tu vois des reconstitutions, parce que notamment pour Waterloo, il y avait une immense reconstitution pour le bicentenaire de Waterloo, c'était ça. Ce qui était impressionnant, c'était la fumée qui se dégageait, parce qu'il y avait beaucoup de reconstituteurs. Et c'était vraiment ça qui avait marqué dans l'image. C'était vraiment ces... Et au bout d'un moment, tu vois plus rien, en fait. Et d'où l'importance... Tu veux dire quelque chose, Grégory, T'as ton micro qui est juste là. D'où l'importance des drapeaux et des instruments de musique. Parce qu'au bout d'un moment, t'as tellement de fumée sur le champ de bataille que tu ne vois plus rien du tout. Tout à fait. Grégory, pardon, on parlait tout à l'heure de l'entraînement des soldats de Napoléon qui s'étaient entraînés au camp de Boulogne. On voit que c'était bien utile de s'entraîner au tir au fusil parce qu'il fallait effectivement tirer au moins une, voire deux balles par minute. Ouais, les meilleurs font jusqu'à 4 coups minute. Voilà, c'est ouais, allez, 4 par minute, tu peux le faire, on le sait. Attention à tes doigts. Faut mettre ça ici. Encore une. Voilà. 4 par minute, ça me semble. 3-4 coups ça pour, me semble les, déjà meilleurs, rapide, quoi, pour les meilleurs. Et là, c'est le drame. Et sachant qu'il faut gérer le stress, évidemment, puisque ceux qui sont en face
Oui, puis il ne faut pas éborgner, éborgner son et la fiabilité des armes, est-ce qu'on est sur quelque chose qui est quand même fiable ou est-ce que ça peut arriver que le manque d'entretien, ça puisse un peu exploser dans... Un très bon matériel, ça peut... Alors ça explose rarement, ça peut faire long feu. Oui. Aujourd'hui, on dit de quelque chose qui ne dure pas très longtemps que ça ne fait pas long feu. En fait, l'expression est prise complètement à l'envers parce que quand un fusil fait ce qu'on appelle long feu, c'est que le feu part, mais pas la balle. Et donc ça veut dire qu'on ne sait pas non plus, après il va falloir nettoyer pour pouvoir recharger, donc si vous mettez votre visage ou quoi que ce soit dessus, ça peut être extrêmement dangereux. Okay. Et alors tu vois, parfois tu as ton silex là, il faut le changer aussi. Aussi, ou l'aiguiser. Ou au milieu du champ de bataille, il faut que tu changes ton silex. Je reviens, je reste, je fais une pause, d'accord. Vous me mettez la pression. Cela dit, c'est quand même vraiment du bon matériel, hein, parce que vous avez donné le numéro, enfin le millésime du modèle, hein, c'est 1777, on dit modifié en neuf, parce qu'il y a deux, trois petites modifs qui sont en fait pas du tout techniques, hein, la platine est exactement la même, quand on change la forme de la grenadière, ça change le numéro de modèle, mais en vrai, à l'aspect, c'est purement esthétique presque, ou vaguement pratique. Notamment pour porter le fusil à l'épaule, mais le système est hyper fiable. Et Napoléon, comme disait Sylvie, n'invente rien, c'est-à-dire qu'il préfère utiliser un matériel éprouvé qui a plus de 30 ans, en étant sûr que ses soldats vont savoir s'en servir, que les magasins sont équipés avec les bonnes munitions, parce que si vous envoyez votre armée à l'autre bout de l'Europe avec des nouveaux fusils et qu'en fait, les munitions, on ne les a pas... tout de suite, ça pose d'autres problèmes. Non. Et en plus, l'aspect de cette arme-là, c'est que Gribova a pensé aux pièces et Dublanc a pensé aux pièces interchangeables. Donc, même si on n'est pas dans la fabrication industrielle qu'on connaît aujourd'hui, on a des vérificateurs, on a des éléments qui vont être fabriqués par différents ateliers, mais qui doivent exactement mesurer telle taille, etc., pour que on puisse réparer au plus vite certaines armes. Alors tu vois, moi j'ai un souvenir assez impérissable en termes de poids quand j'ai fait mon initiation Premier Empire. C'est que quand tu fais les exercices, tu portes ton fusil comme ça là, un bout de bras sur ton sur ton épaule. Et ben en fait, tu fais tes exercices, tu fais au niveau de la crosse là. Mm. Tu le mets dans ce sens-là, dans l'autre sens pour pas avoir la. Voilà. Et en fait, moi ils m'ont fait marcher comme ça pendant 3 ou 4 heures pour arriver à intégrer les ordres et les manières de tirer. Et je peux te garantir, il y avait la baïonnette en plus, et je peux te garantir qu'en fait au bout de 4 heures ton bras il reste comme ça après. Tu t'enlèves le fusil et après tu fais c'est marrant, mon bras il bouge plus comme ça, on dirait un Playmobil. C'est clair. C'est... En fait, moi je me pose plein de questions là-dessus à me dire, mais en fait, ils avaient un bras qui était plus. Bah, c'est des gens qui sont extrêmement résistants et qui n'ont pas notre confort d'aujourd'hui, nos métros, nos appartements chauffés, etc. Ils n'ont pas tellement de choix de toute façon. C'est ce que tu disais tout à l'heure, le fait de n'avoir pas de chaussures gauche ou droite. On m'a toujours raconté qu'au moment où ils recevaient des nouvelles chaussures, un peu par hasard, ils ne les mettaient pas, ils attendaient de fusiller celles qui leur restaient, parce que mettre des nouvelles chaussures voulait dire les faire un petit peu sur la route. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce qu'on m'a raconté. Après, elles sont aussi plus larges que nos chaussures d'aujourd'hui, ce n'est pas le même type de chaussures, mais effectivement, de toute façon, ça fait hyper mal aux pieds. Ça, c'est, déjà, des chaussures modernes en cuir qu'il faut faire au début, c'est déjà compliqué, alors que théoriquement, elles sont aux bonnes tailles et tout. Mais alors, des chaussures qui sont c'est l'enfer. Pas à la bonne taille et qu'il faut faire en plus sans qu'il y ait de gauche ou droite, ça devrait pas être très rigolo au début, je pense. Alors tu es prêt à essayer maintenant un sabre. J'ai l'impression qu'Émilie pourrait te montrer Ah oui, Émilie, c'est vrai. Non, pas capable de... Enfin, si, après moi je serais jamais manié un sabre. Ok, donc je le porte Alors celui-ci, oui, on n'a pas les sangles, les bélières qui vont permettre de tenir. Très bien. Mais donc on a un sabre légèrement courbe. On a des oreillettes qui vont permettre de bien ranger dans le fourreau pour pouvoir bien incruster bien tenir. Et puis la branche qui est ici avec les trois éléments va permettre de protéger effectivement la main. Donc là, on a un seul tranchant de ce côté-là. Là, j'ai une lame qui part vraiment vers l'avant, quoi. Enfin, j'ai un poids qui... C'est très léger, pour le coup. Alors, c'est un petit peu plus d'un kilo. Et donc, pourquoi cette forme courbe, finalement ? Pourquoi est-ce qu'on ne garde pas une forme plus rectiligne ? Émilie l'évoquait tout à l'heure, puisque, en fait, on va sabrer, effectivement. Là, en fait, t'es à cheval. Oui. Ah, c'est ça. C'est pas du tout. L'arme est beaucoup trop longue pour que tu puisses t'en servir. Enfin, tu peux t'en servir à pied, mais c'est vraiment fait pour que tu puisses être à cheval et sabrer les gens qui sont en dessous. Voilà. Le cavalier, sa destination, c'est pas du tout un autre cavalier. Il y a même des récits qui disent que quand deux unités de cavalerie se rencontrent, en fait, ils se sentent tous hyper bêtes.
parce que on fait quoi là maintenant ? En fait, la destination du cavalier, c'est de charger un fantassin. Donc normalement, là, tu prends des gens qui sont plus bas que toi. Très bien. Et tu sabres d'un mouvement tranchant. Est-ce que tu veux que je vais pas y arriver le... Hop là, attends. Voilà. Hop là. Est-ce que tu veux que je te donne si tu veux, mais donc... Je peux te prendre le micro si tu veux. De te tuer, et je ferai Perchman. Je peux expliquer en parallèle. En fait, sur une arme droite, tu vas avoir un problème. C'est que c'est comme quand tu coupes un steak. Ton steak, tu vas pas le couper comme ça. Tu vas faire un geste qui est celui-ci, ok? Et à partir du moment où tu as une arme droite, tu es obligé de faire ce geste, sinon tu vas pas réussir à couper. L'avantage d'une arme courbe comme celle-ci, c'est que même si ton geste de coupe il est pas parfait, et ben du coup la courbure naturelle de la lame va faire que même en donnant un coup, tu vas quand même te couper. Donc pour un cavalier qui est obligé de sabrer un petit peu parfois comme ça vient et d'avoir un geste de coupe qui n'est pas parfait, d'accord, eh bien c'est l'arme idéale. Parfois, ils ont même ce qu'on appelle un contre-tranchant, c'est-à-dire un tout petit retour de partie aiguisée au niveau de la pointe qui permet éventuellement, si tu as raté ton premier coup, de repartir en revers. D'accord. Ou alors de bien planter ton adversaire, parce que tu peux quand même t'en servir en pointe. Hein. D'accord. Celui-là, par contre, non, pas du tout. D'accord, celui-là, c'est vraiment... Celui-là, pas de tranchant. Mais c'est pour les cavaliers. Oui. Les cavaliers les plus lourds, ceux qui portent cuirasse. C'est beaucoup plus lourd, ça, pour le coup. Oui, plus tard. Pas beaucoup plus. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est bizarre. C'est équilibré très différemment. J'étais beaucoup plus à l'aise avec ce sabre. Parce que ça part vers l'avant, en fait. Ah. C'est exactement destiné au moment où tu es à cheval, tu es sur un des gros canassons des cuirassiers. J'y suis, tu l'as. Exactement. Et pas du tout. Là, tu vas attaquer bras tendu. Comme ça. Voilà. Et tu vas aller piquer les gars en bas. D'accord, ok. Oui, c'est pas du tout pas du tout le même usage et c'est pas pour les mêmes unités en fait. C'est les unités lourdes, le choc maximum. D'accord, donc là c'est vraiment tu rentres dedans et c'est direct quoi. Mais c'est vrai que c'est pas du tout équilibré de la même manière, je pense que j'aurais préféré avoir un sabre. Ça c'est vraiment parti vers l'avant. Tu peux même essayer, tu vas avoir un peu plus de mal à le ramener dans ta main en fait. Ouais, mais recule un petit peu, c'est exactement ce que je suis en train de tenter, je t'en comme ça. Bah vas-y. Je suis bien congestionné déjà juste au-dessus du poignet. Ouais, c'est ça. C'est particulier. Mais donc effectivement, naturellement, on laisse filer la pointe vers le bas. C'est ça. Donc c'est tout à fait. C'est du bel ordre. Et pour la petite histoire, tu as plus la taille du cavalier lourd, on va dire. Je ne parle pas de ton poids. Bien sûr. De toute façon, aucun d'entre nous n'est fait comme les hommes de l'époque. Alors, pour la petite histoire, les armes sabre droit, entre guillemets, comme ça, certains les appelaient des lattes. Et c'est une des deux interprétations de l'expression prendre un coup de latte. Ah, d'accord. Donc, quand je faisais ça, je me mets un coup de latte. Je l'ai. Vous l'avez maintenant chez vous aussi, le savez. C'est assez pratique. Histoire comme ça, l'histoire anecdotique, on aime bien. Le vocabulaire militaire est plein de ressources pour mieux comprendre la langue qu'on parle aujourd'hui. Exactement. Tu vois qu'il y a un sens. Tout à fait. Ah oui, il y a un sens. Je pense que c'est ça. Oui, parce que celle-ci aussi n'a en fait qu'un seul tranchant. Non, j'ai coupé le sens. Tout à fait. Je viens de m'en rendre compte en le mettant dedans. Mais pas du tout à l'aise. Là, on va sur la lame. C'est mal. Okay. Mais t'inquiète pas, tu le remets pas au four tout de suite. Non, pas tout de suite. C'est lourd un shako. Donc le shako, on est d'accord que ça arrive après aussi Disons qu'il existe auparavant, mais effectivement, dans les soldats, tu veux C'est 1807, en fait. La généralisation du port du shako, c'est 1807. Là, tu as la plaque losange, justement, qui correspond à ce modèle-là. Ce que tu n'as pas fait, d'ailleurs, c'est mettre les jugulaires, parce qu'après, c'est beaucoup elles plus dans pas, ouais, elles ne peuvent pas être mises, celles-là. Tu peux quand même le maintenir. Hein, c'est pas... Par ailleurs, tu ne vas pas forcément au combat avec le plumet. C'est ça. Ah bon ? Ah oui, on peut enlever le plumet du coup. Oui, parce qu'il y a comme aujourd'hui, les militaires peuvent avoir des tenues de parade, des tenues de ville, etc. Ça change pas beaucoup. Ça te va très bien, je trouve. Oui. Merci beaucoup. Très bien. Les couleurs aussi te vont très bien. Super. Tiens, t'as un autre sabre encore. Un sabre bric. C'est le briquet du fantassin, ça. Du fantassin d'élite. C'est une arme et en même temps un outil, on va dire. En fait, c'est assez rarement utilisé comme une arme. C'est tout petit, par contre. Regardez, c'est par rapport aux autres, c'est beaucoup plus petit. Mm. C'est pour de l'infanterie, ça, c'est pas du tout la même destination. Mais les grenadiers peuvent porter celui-ci, grenadier à pied. Autre sabre. Oui, grenadier à pied, oui, tout à fait. Ah, donc on peut avoir un autre sabre derrière qui serait plus long ou qui serait un petit peu plus long que celui-ci, oui. D'accord. Et qui serait pour quelle utilité ? C'est la même utilité Alors, ils ont aussi la baïonnette au bout de l'arme à feu, donc il y a un peu multiple, de tout, quoi. Multiple usage, on ne sait jamais comment ça se... Ça, c'est un peu le couteau suisse quand même du soldat en général. C'est ça, ouais. Tu peux t'en servir pour aller tailler du bois s'il faut au bivouac. Il était extrêmement réputé à l'époque, d'ailleurs, les gens, dans les récits, ils tiennent beaucoup à leur sabre briquet. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très...
qui est très connu. En fait, je pense que si c'est tu dois garder qu'une seule arme de l'Empire, ce sera le sabre bah, exactement. Ah, ouais, ah oui, à ce moment-là okay. Ouais. Et les reproductions sont très peu chères, voilà, pour ceux qui s'intéressent d'en avoir chez eux. Ah, justement, parlant de reproduction, parce que c'est aujourd'hui pour avoir des... Parce que c'est des facsimilés qu'on a, hein, c'est pas, on n'a pas du tout utilisé des armes historiques. Il faut faire appel à... Il y a des fabricants qui sont spécialisés ou, c'est des, oui. Ou est-ce qu'il y a des, peut-être des particuliers aussi qui font des répliques? Alors fois. Oui, il y en a qui font. Tu as tout ça à la fois dans le sens où... alors je ne connais pas exactement la provenance de toutes les répliques du musée de l'armée. On parlait tout à l'heure du fusil parce que c'est le fabricant italien le plus connu qui s'appelle Pedersoli. Mais tu as des sociétés actuellement qui sont des armuriers spécialisés dans la reproduction d'armements historiques, notamment à poudre noire pour ce qui est du tir. Pour ce qui est des armes blanches, c'est exactement la même chose. Et après, tu as des artisans individuels qui vont refaire tel ou tel modèle. Mais pour l'uniforme, c'est la même chose. Il y a effectivement différentes qualités, différentes fabriques. Et en plus, comme dans toute reconstitution, le nec plus ultra, c'est aussi d'avoir son équipement à soi qui ne vient pas exactement de chez le même que tout le monde quand même. Puisqu'on a fabriqué des trucs un peu soi-même aussi. Exactement. Parce que j'ai vu sur une gravure que c'était fait comme ça. Donc il faut être doué. Cela dit, les hommes de l'époque, les soldats, utilisent et... entretiennent leur équipement eux-mêmes, ils sont censés le faire, ça fait partie du métier du soldat, ça les occupe hein, aussi d'ailleurs, parce qu'on s'ennuie quand même pas mal quand il n'y a pas que des batailles, surtout pas que. Ce qu'on sait par exemple dans les collections du musée de l'armée, on a notamment ce qui s'appelle une patience, c'est-à-dire un genre de petite réglette double avec une articulation, ça fait comme un genre de ciseau en bois, et des petits trous à intervalles réguliers voilà, qui correspondent aux boutons. D'accord. Et on va pouvoir frotter comme ça. Ma main est une planche de bois, non ? Voilà. D'accord. Et la patience, ça permet de faire briller les boutons de l'uniforme. D'avoir une main en planche de bois. D'accord. On a des récits de soldats qui recousent ou qui cousent d'ailleurs leur propre uniforme, qui améliorent leur équipement. Et en fait, ils ont l'idée qui a longtemps prévalu que la couture, c'était pas pour les hommes. Elle est complètement à la rue au niveau du travail du soldat de l'Empire, parce qu'il ne va pas aller chercher forcément sa femme. Sur un uniforme de soldat de ligne du Premier Empire, il y a combien de boutons ? Ah, ça c'est tout un élément de richesse. Oh, ne serait-ce que sur les guêtres. Déjà depuis... guêtres, c'est un enfer. Je me souviens même plus du nombre de boutons de guêtres. Ça fait plus de 25, je crois. Je trouve ça magnifique, mais c'est un nombre de boutons guêtres qui est inimaginable. Il y a justement un tir bouton guêtre dans l'équipement. Juste pour les chaussures également. Mais c'est vrai que du coup, il y a des boutons au moins recoudre un bouton, ils étaient obligés. Quoi. Plus pantalon à pont, donc déjà des boutons aussi. Il faut en prendre soin. Il y en a partout des boutons. Mais on n'a pas le choix à cette période-là. Il n'y a pas de fermeture éclair, il y a des agrafes. Scratch. Oui. Notamment pour fermer l'habit dans les habits à revers, ça se ferme pas avec les boutons, ça se ferme par agrafe. Donc colle encore, non ? Pardon ? Il y en a au col, oui. Ah oui, au niveau du collet pour que ça tienne bien, parce que là on a parlé tout à l'heure du shako et de la visière et des épaules qui vont en arrière, mais le collet très très haut de l'Empire, c'est la même chose. Hein. Napoléon d'ailleurs faisait retailler ses propres collets parce que il trouvait pas ça très confortable. Parce que personne ne devait trouver ça très confortable. Oui, mais lui c'était l'empereur. C'est ça, donc il avait plus d'impact. Mais c'est vrai que les boutons c'est vraiment un élément de richesse depuis longtemps. Il y a pas si longtemps que ça qu'on achète des boutons en Chine moins cher entre guillemets, mais quand on va dans une mercerie, c'est encore cher. Et quand on regarde ta veste, elle est un peu atypique, mais on a souvent 3 ou 4 boutons. Mmh. Alors, la tienne, elle ouvre, je crois. Celle-ci s'ouvre, mais sur la plupart des vêtements d'hommes d'aujourd'hui, ça ne s'ouvre pas. Quelle indignité. Mais ce sont des traces, des éléments restants de périodes plus anciennes. Mais c'est la même chose sur les uniformes Empire, en fait. Tous les boutons ne permettent pas forcément d'ouvrir le parement. On va pas tarder à se remettre aussi sur la table dans quelques instants. On a eu le temps de faire quand même le tour de pas mal d'équipements. Non, je vais l'enlever. Bah, pourtant, ça te va plutôt oui, bien. Oui, c'est vrai. Écoutez, c'est plutôt saillant. C'est... au moins, l'intérêt de cette... Ce shako est magnifique. Hein, c'est vrai que le shako est vraiment sympa, tout à fait, avec en plus cette petite plume qu'on peut enlever. Je trouve ça... C'est toujours intéressant en fait de tester, je trouve, le matériel parce qu'on se rend compte de certaines choses. Et comme on a déjà avec toi, évidemment, les premières fois que je l'ai fait, c'était avec toi. En fait, ça fait beaucoup, beaucoup avancer ta réflexion sur finalement, tu te rends compte rapidement de ce qui n'était pas possible ou pas possible. Quoi. C'est-à-dire que rien, déjà, que le poids de l'équipement, il est très lourd. Et donc, tu vois, les choses crédibles, à contrario, tu vois, de l'armure du Moyen-Âge.
je trouve ça, que je trouvais beaucoup plus légère oui. que beaucoup de clichés que j'avais pu entendre. Je trouve cet équipement beaucoup plus lourd que ce qu'il n'y paraissait, tu vois. Et il n'est pas c'est complet. Et il n'est pas ouais. complet. Et je trouve c'est... ça déjà beaucoup plus encombrant, alors que c'est vrai que, tu vois, t'as un sac à dos, alors que, tu vois, l'armure, elle a cet intérêt de d'avoir un poids très réparti, en fait, partout, sur les épaules, sur le bas du corps, sur ton buste. Alors que là, finalement, t'as un sac qui vient sur le côté, t'en as un autre qui te tire un petit peu derrière, t'as un uniforme aussi qui est finalement assez prenant. La couture, certes, c'est pas de l'acier ou de la côte de maille, mais ça a ce désavantage aussi de quand même te forcer à avoir une certaine posture également, donc c'est pas la liberté en fait non plus d'avoir un uniforme. Tu te retrouves face à deux problèmes, c'est à la fois la perception des matériaux qui aujourd'hui est complètement, enfin la perception des matériaux c'est quelque chose qui est conditionné par l'époque dans laquelle on vit. C'est-à-dire que nous on vit dans une époque de plastique, d'aluminium, de matériaux composites et globalement léger. Partant de là, l'acier, le fer, les métaux, c'est trop lourd. Quel que soit, c'est trop lourd. On réfléchit pas à la taille, à la forme, c'est trop lourd. Alors, ça peut être un avantage parce que parfois c'est solide et donc du coup voilà. Mais pour de l'équipement, ça nous paraîtra toujours trop lourd. Donc là, finalement, ta majeure partie c'est du cuir, c'est du tissu, de la plume. Tu te dis genre, c'est léger en fait. Pas du tout. Et c'est parce que un poids, c'est un poids. L'autre problème qu'on a, c'est qu'on se tient plus du tout de la même façon. En fait, on n'a plus du tout les mêmes façons de s'habiller non plus. C'est ce qu'on disait par rapport aux chaussures tout à l'heure. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, toi qui portes des baskets tous les jours, si demain je te dis, Rive, pendant 2 mois et demi, je te fais porter uniquement des chaussures en cuir à ta taille, nickel et tout, tu vas commencer par me détester. Puis après, tu ne mettras plus que ça, évidemment. Tu vas commencer par me détester. Et c'est un peu la même chose sur cette période-là, c'est-à-dire que tu as l'habitude de te tenir d'une certaine manière, ton uniforme t'impulse quelque chose que toi aujourd'hui tu n'as absolument jamais fait. Le fait d'être forcé là tout de suite à le faire, ça te saisit un petit peu. Je vous propose qu'on retourne sur le plateau pour continuer notre discussion et nos échanges, bien sûr. Hop. Donc la nuit tombe, hein, évidemment, au fur et à mesure. La nuit tombe sur le musée de l'armée. La nuit tombe sur le musée de l'armée, évidemment. Les villageois s'endorment. Cet équipement, qu'elle va être... qu'est-ce que les guerres napoléoniennes vont faire évoluer dans l'équipement? C'est-à-dire que là, on a des fusils modèle 1777, on le disait, on va quand même s'appuyer sur un équipement qui fonctionne, mais est-ce qu'on va aller l'adapter selon les campagnes? Par exemple, je pense évidemment à la campagne de Russie. Est-ce qu'il va y avoir des profondes modifications sur certaines parties ou pas du tout? Alors, en Égypte, ils sont partis avec quelque chose qui ressemblait à peu près à ça. Ils ont eu chaud. C'est comme si je vous disais, vous avez un anorak de ski, des moon boots, et vous marchez à 4 km/h. Alors on a quand même 45 degrés. Km. Ça c'est le règlement. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que dans la plupart des jeux ou de l'imaginaire, des représentations, hein, même pour les tableaux, etc. On part du règlement. Pour les figurines, c'est un peu pareil, et on essaye de représenter des armées tout à fait parfaites. En réalité, si je vous dis par exemple que la plupart des unités sont dotées, enfin qu'on change de règlement en 1807 et qu'on invente un habit blanc parce que Napoléon avait trouvé, enfin parce qu'il y avait des problèmes de notamment de fourniture dans les teintures et des choses comme ça, et que finalement Napoléon avait trouvé que l'idée de l'habit blanc, ça permettait d'éviter les teintures bleues qui gênaient. Donc en 1807, les fantassins sont censés porter l'habit blanc au lieu du bleu national ou bleu impérial. Il n'y a quasiment pas d'unités qui l'ont porté. C'est un habit extrêmement rare. Aujourd'hui, on en a un dans les collections du musée de l'armée et on est extrêmement privilégié. Parce que il faut, quand on change de règlement, il faut envoyer les patrons aux fournisseurs. Il faut que les fournisseurs les fabriquent. Il faut que ce soit envoyé dans toutes les unités qui sont dispatchées sur un empire qui va jusqu'à Barcelone au sud, qui inclut presque une partie de l'Allemagne d'aujourd'hui, etc. Le temps finalement d'équiper ces unités d'habits blancs. Napoléon avait déjà remarqué que le sang sur les habits blancs, c'était pas terrible, c'était pas bon pour le moral. Donc on a abandonné ce règlement-là. Certaines unités n'ont jamais du tout été dotées de l'habit au nouveau règlement. D'accord. Et donc ça, on revient finalement. On revient en arrière. D'accord. Et l'imposition des nouveaux règlements, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a en termes d'uniformologie, la modification majeure, c'est le port du shako au lieu du chapeau. D'accord. On portait le chapeau bicorne au début, pendant les guerres de la Révolution, quasiment jusqu'en 1807. Le shako a évolué aussi, mais petit à petit. Et la grande évolution uniformologique que tout le monde perçoit, c'est le règlement dit de Bardin 1812. Sauf qu'en fait, le règlement dit de Bardin 1812, l'Empire s'effondre en 1814, il n'est quasiment jamais mis en application.
La véritable application du règlement Bardin 1812, c'est la restauration. Oui, d'accord. C'est un peu après. Il y a une certaine inertie de l'administration. Il y a une résistance aussi des corps, parce qu'on s'identifie à l'uniforme. Et il y a beaucoup de soldats et d'unités entières qui résistent à l'imposition d'un nouveau matériel. Fut-il censé être plus pratique ? D'accord. Et puis, il n'y a pas les fabrications qu'on a aujourd'hui à grande échelle. Donc, c'est forcément dans des petits ateliers à droite, à gauche. Et effectivement, il faut réunir tout ça ensuite. Je me posais aussi la question. On a un autre objet aussi qu'on n'a pas eu sur le plateau, mais c'est ce qu'on appelle la flûte. Le fifre, on parlait justement pour ceux. Alors, c'est très rigolo parce que dans le jeu qu'on a joué, donc Napoléon Total War, on a effectivement pas forcément cette notion du fifre qui est là, de l'instrument de musique qui est là pour justement donner du rythme et être là aussi pour donner les informations et les ordres. Dans un autre jeu qui est plus récent, qui s'appelle Hold Fast, où cette fois-ci on incarne chaque joueur, au lieu d'incarner un camp, et bien chaque joueur incarne un soldat en particulier, on a ce rôle justement du fifre. Que tu adores jouer. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu te souviens, quand tu m'as tué, c'était avec un sabre briquet. C'est vrai. Je m'en souviens très bien, parce que tu trouvais que je jouais trop de fifre. C'est vrai que je suis arrivé et je jouais sauvagement, effectivement. Voilà. Ouais. Ça n'a pas fonctionné, parce qu'on était dans le même camp, mais tu m'as tué avec un sabre. Tu as essayé de me tuer avec un sabre briquet. Je trouve ça assez honteux, d'ailleurs. Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle les instruments de musique. Aujourd'hui, on ne fait pas vraiment la distinction, mais à la vérité, il y a deux types de musique en matière militaire. Il y a la musique comme aujourd'hui, de distraction, d'agrément, qui peut parfois accompagner un colonel ou un officier supérieur, celui-ci venant avec une partie de son confort maison. Ou pleurer les morts aussi. Voilà, qui la musique qui accompagne le régiment pour les cérémonies officielles. Pas justement, hein. Voilà notre flûte. Elle est dans les collections. Elle est dans les collections du musée de l'armée, absolument. Dans la permanente. Et celle-ci, elle est réputée avoir été. Elle a même sa petite pochette en cuir en fait, qui a trois logements, parce que quand on démonte la flûte, en fait, chacune des parties peut rentrer dans un des petits logements. Elle est réputée avoir été prise sur des Autrichiens à Austerlitz. D'accord. Donc cette flûte-là, elle fait partie, par contre, non pas du tout de la musique d'agrément, mais de la musique de signal. La musique de signal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on appelle aussi musique d'ordonnance. Son vrai nom, c'est la célostique. Donc ça fait très chic dans une soirée, essayer de le recaler quelque part. Célostique, ouais. Très bien. Et ça, ce sont des codes, en fait. Il n'y a pas du tout, c'est pour ça sans doute que ça doit être très énervant. Au bout d'un moment, je ne trouve pas, personnellement, mais après... Mais les sonneries sont très courtes, elles sont destinées uniquement à donner un ordre. Retraite, en avant... Regroupez-vous à la soupe, voilà. Oui, c'est surtout les tambours aussi qui font ça. Oui. Hein, qui est très chouette aussi le tambour. Je ne sais pas si on en a déjà non, parlé, non, mais on en parle. Tu pas un tambour chez toi ? Non, j'en ai eu pendant. C'est le seul instrument de musique dont je sais jouer, le grand tambour français. Mm-hmm. Donc un jour, j'en rachèterai un et puis je te ferai un petit coup. Ça, c'est bon pour donner le rythme parce qu'effectivement, comme disait Sylvie tout à l'heure, la marche est cadencée et elle est la marche des soldats de Napoléon est presque une fois et demie. Supérieure en vitesse à celle de ses ennemis. C'est une des raisons qui explique Napoléon, qui mise beaucoup sur la vitesse et sur l'offensive, une des raisons qui explique aussi son succès dans les débuts, quand personne n'a encore compris qu'en fait, les armées de Napoléon se déplacent beaucoup plus vite. Et pas seulement parce qu'ils vont vite, mais aussi parce qu'ils sont bien organisés, bien sûr. Et on parlait évidemment de la qualité de l'entraînement des soldats à ce moment-là, de la Grande Armée. Donc l'importance de la musique, bien sûr. Alors, il y a quelque chose qui me vient en tête, il est déjà quasiment 22h, donc on va doucement mais sûrement glisser vers la fin de cette émission. Mais on parle évidemment des soldats, on parle de leur préparation, on parle de leur équipement, mais j'aimerais aussi qu'on parle de leur mémoire d'une certaine manière, puisque évidemment on met beaucoup en avant la mémoire des grands personnages. On parle souvent des success stories, un peu comme les Napoléons finalement, un petit garçon de Corse qui a grandi au fur et à mesure, mais finalement il y a plein de maréchaux qui ont cette ascension, je pense à Bernadotte notamment, lui aussi qui vient du sud de la France, puis qui devient roi de Suède par la suite, mais finalement quelle mémoire garde, sait-on comment est-ce que les soldats ont on va dire à la fin de l'Empire, se sont souvenus, ont peut-être écrit, et est-ce qu'on a un petit peu leur ressentiment, ou peut-être leur nostalgie justement de cette période? Alors ça dépend des soldats, effectivement. Alors il y a ceux qui, effectivement, vont revenir entiers de la guerre. Donc effectivement, ceux-là vont être des héros dans leur village, hein, parce qu'ils ont vécu un événement extraordinaire.
d'habitude, à cette époque, on ne sort pas de son village, ou en tout cas pas beaucoup dans les quelques kilomètres qui entourent son village. Et là, ces soldats, ils se retrouvent en Égypte, ils se retrouvent en Russie. Ils voyagent énormément. C'est quelque chose d'extraordinaire et d'inédit. Alors bien sûr, il y a la bataille qui est extrêmement violente. Il y a la blessure aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui est souvent très mal soignée et qui peut dégénérer jusqu'à l'amputation. Enfin bon, donc il y a une grande souffrance du soldat. Donc oui, les soldats laissent des mémoires qui varient en fonction de leur vécu, mais de manière générale, on voit souvent une grande admiration pour Napoléon. Il culpabilise beaucoup certains officiers sur la faim, mais ils idéalisent Napoléon. Après, là aussi, ça dépend des soldats. Il y a des soldats étrangers qui ont combattu pour la France, qui là, pour le coup, sont très sévères à l'égard de Napoléon. Donc ça varie énormément, mais c'est vrai qu'on voit à cette époque énormément d'écrits de soldats, ce qui était quand même peu courant à l'époque, parce que beaucoup ne savaient pas écrire. Mais ce n'est pas forcément eux qui les ont écrits, ils les ont peut-être racontés, et puis quelqu'un d'autre les a écrits pour eux. Mais c'est extrêmement présent, et c'est une source qui est fantastique pour nous, en tout cas. C'est ça. C'est rigolo. Donc, Napoléon garde une image un peu d'Épinal, mais par contre, c'est les maréchaux qui vont faire un peu les fruits des désaccords, et comme je disais, des ressentiments. Oui, tout à fait. Ouais. En tout cas, dans les mémoires de soldats, souvent, il y a l'accusation de la traîtrise des maréchaux en 1814 qui ont abandonné Napoléon. De toute façon, tout était déjà perdu. Hein. Mais oui, il y a une forme. Effectivement, il distingue vraiment Napoléon des autres. Ouais. Il y a un ouvrage que je connais qui s'appelle 20 ans de gloire avec l'empereur, qui est extrêmement connu, qui est probablement le plus connu des récits de soldats du Premier Empire, si je ne m'abuse, corrigez-moi si je me trompe, qui est écrit par Jean-Roch Coignon, si je me souviens bien de son nom, et qui est en fait un jeune qui s'est engagé quasiment au début de l'aventure de Napoléon, en mettant des cartes à jouer dans ses chaussures pour paraître plus grand et rentrer dans les régiments les plus prestigieux. Et on suit, en fait, ce sont ses mémoires du début à la fin. Et on suit vraiment le parcours de ce soldat avec des moments qui sont des moments de flottement, des moments qui sont complètement fous où ils partent prendre des canons un peu tout seuls parce que l'empereur leur a dit de le faire et que du coup ils y vont tout seuls et que ça fonctionne parce qu'on ne sait pas trop pourquoi ça fonctionne. Et c'est un témoignage qui regroupe un peu tout ce que tu viens d'évoquer. Justement, le côté, et ce qu'on a évoqué d'ailleurs dans toute la soirée, le côté un peu très engagé de beaucoup de soldats d'origine française, en tout cas, l'admiration pour l'empereur, la défiance envers les maréchaux, et cette espèce d'aventure complètement romanesque de l'épopée napoléonienne, et qui est un ouvrage qui m'avait beaucoup marqué par ce côté, justement, d'évocation, un peu de peinture un peu globale, vue d'un soldat engagé de Napoléon. Mais est-ce qu'ils ont des motivations politiques ou pas spécialement? Est-ce qu'ils sont convaincus par l'Empire ou plutôt ils sont encore dans le prolongement, comme tu le disais, certains qui ont fait la guerre pour la République aussi? Donc il y a finalement différentes idées qui se mélangent ou est-ce qu'ils ne pensent pas forcément à ça? Effectivement, là aussi, ça dépend du témoignage. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, la plupart d'entre eux sont convaincus de combattre pour la grande nation qui est la France, pour les idéaux de la Révolution, en tout cas au début. Ils sont convaincus, effectivement, qu'ils portent un message en combattant aux côtés de Napoléon. Et ils admirent Napoléon. Ils sont convaincus qu'avec Napoléon à leur côté, ils sont invincibles, en fait. Oui, après, il y en a d'autres pour le coup, sont complètement critiques. Et il y a eu des témoignages qui sont sortis il n'y a pas longtemps, justement, sur des soldats d'origine étrangère qui, effectivement, détestaient Napoléon. Napoléon a joué de ça. Quand Sylvie disait qu'il essayait d'avoir l'air proche de ses hommes un maximum, ce n'est pas que du calcul. C'était aussi une volonté de sa part, et même relativement naturelle, sans doute, mais c'était également bien joué. Quand il croisait quelqu'un, il avait une excellente mémoire. Il n'avait pas forcément quelqu'un avec des fiches à côté qui lui disait « ça, c'est le soldat machin, il a été distingué à tel endroit ». Il avait une excellente mémoire. Il se souvenait exactement d'eux. Il se souvenait souvent de l'endroit où il les avait vus, pas forcément de leur nom. Et il avait une forme de mise en scène assez exceptionnelle qui était généralement quand il voulait distinguer un soldat et en distinguant ce soldat, il savait que tous les autres auraient cette même impression que l'empereur l'avait regardé. Il enlevait le bijou de la Légion d'honneur qu'il portait sur son habit et il le met
sur la poitrine directement du soldat en question. Là, vous êtes sûr de faire un carton, mais absolu. Quoi. Il m'a donné ça. Ou chaud, alors un geste tactile, ah ouais. Je te pincerai peut-être l'oreille ou un truc comme t'imagines ça. T'imagines le truc en fait, c'est-à-dire qu'on est à une époque où il n'y a pas les médias et où il n'y a pas, tu vois, c'est parce qu'on n'a pas les. Aujourd'hui, c'est facile de connaître une personne connue, on le voit à la télé, on envoie des photos, etc. Là, c'est beaucoup plus rare finalement de rencontrer des personnages aussi importants. Puis, t'imagines, c'est un peu, ils ont l'impression de rencontrer la personne qui est tout pour eux, presque, pour certains. Mmh. C'est pas le cas de tous, comme tu disais, mais à ce moment-là, Napoléon, par rapport à ses hommes, est extrêmement apprécié. On a l'impression qu'on peut le suivre jusqu'en enfer, et que voilà, le simple fait que l'empereur décide de te parler, pire qu'il te touche, pire qu'il te décore comme ça, enfin, je pense que c'est... Qu'il se souvienne de toi. Oui, c'est ça. Évidemment. Le gars, il est refait. Enfin, il va le raconter à ses enfants, qu'ils raconteront à leurs petits-enfants, et ainsi de suite. Et tous les copains disent, j'ai vu l'empereur, il a fait ça, et ça fait vraiment partie de cette légende. Ouais, c'est un côté vraiment fantasme. Comme si Dieu était descendu sur Terre pour toucher la personne. Le dieu de la guerre, il y a un vrai fantasme qui arrive à ce moment-là, et donc qui se répand aussi, justement, parmi les hommes. Et puis, c'est quelque chose qu'on a vu quand on a visité, toi et moi, l'exposition sur Napoléon n'est plus, où on explique très bien à un moment que le corps de l'empereur revient en France et qu'à ce moment-là, il y a une parade, on peut appeler ça comme ça, pour le ramener à Paris et qu'à ce moment-là, beaucoup d'anciens soldats reprennent leurs uniformes un peu comme ils peuvent, essayent d'avoir l'air de se donner une contenance et viennent sur le passage de l'empereur pour... parce que c'est l'empereur et qu'ils ne se voyaient pas faire autrement. Et ça, je trouve que c'est aussi, par rapport à la question que tu posais de quelle est la mémoire de ces soldats finalement, je trouve que c'est quelque chose qui est assez notable. En tout cas, ça m'avait frappé quand on en avait parlé dans cette expo, parce qu'il y a les images, il y a tout qui va avec. Et on sent bien que ces soldats sont encore là. Il y en a même certains qui se font refaire un uniforme pour l'occasion. Ah oui. Dans certains cas, ils tiennent peut-être plus dedans ou alors ils n'ont plus tout, etc. Et certains uniformes sont plutôt des uniformes de Premier Empire. Conservés aujourd'hui comme tels, sont plus des uniformes 1840 refaits pour le retour des cendres. C'est très difficile de faire la distinction. Ah oui, d'accord. Et puis après, il y a aussi, comme le disait un peu Grégory, c'est que les contestations, on ne les a pas tant que ça, parce que du temps de Napoléon, ce n'était pas tellement possible. Mmh. Et puis ensuite, l'historiographie a quand même fait, soit on déteste Napoléon, soit on l'encense, mais en tous les cas, il y a bien des choses qu'on découvre aujourd'hui ou qu'on met en avant aujourd'hui qu'on n'aurait pas du tout mis en avant il y a quelques décennies, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on le disait, Napoléon, c'est assez intéressant, j'ai discuté avec toi, j'ai discuté de ça, Sylvie, sur Napoléon, on y calque souvent nos questions actuelles aussi. C'était lors du bicentenaire de la naissance de Napoléon, on était plutôt sur le nombre de morts qui a été occasionné pendant les campagnes. Aujourd'hui, on est sur une question aussi qui est très importante, qui est la remise de l'esclavage par Napoléon aussi. Frédéric Régent a fait un travail dessus, si ça vous intéresse. Et donc, on se rend compte aussi que voilà, y a les angles évoluent aussi. Au bout de 200 ans, on a encore certaines choses qui sont remises en lumière et qui font beaucoup parler sur la mémoire de Napoléon. Mais en fait, Napoléon est un personnage tellement exceptionnel, et je ne dis pas merveilleux, tout ça, grandiose et tout, exceptionnel au sens, c'est une exception. C'est quelqu'un qui, à la fois, avait un talent, savait parfaitement en faire usage et a su merveilleusement aussi le mettre en avant. Du coup, tout le monde se souvient de Napoléon. Et par ailleurs, comme il avait une intelligence, une grande finesse et un grand charisme, quel que soit le sujet sur lequel, auquel vous vous intéressez, à un moment, vous allez croiser Napoléon, sauf peut-être si vous vous intéressez aux courses de F1, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Mais législation, domaine militaire et même culinaire, il y en a qui reparlaient du veau baringot dernièrement. Mais enfin, c'est vrai, c'est intéressant à tout. Quel que soit le sujet, Napoléon, s'il met le doigt dedans, il va finir par être meilleur que les gens qui le connaissent. Donc il peut servir merveilleusement bien de miroir. Tout le monde va projeter sur lui le modèle ou la question à laquelle lui-même se réfère ou qu'il se pose. Quelque part, je pense que la question de l'esclavage, par exemple, ou la relation aux femmes, c'est une forme de déception. Ah mince, il n'était pas parfait. Ouais, c'est ça. Ou alors aujourd'hui, on pense qu'il n'aurait pas été parfait. Toute la question aussi, c'est de savoir, ça fait 200 ans qu'il est mort, il y a 200 ans, on ne vivait pas comme ça, on ne pensait pas comme ça. Donc le vrai sujet, c'est qu'on ne regarde pas Napoléon quand on se pose ces questions-là, on regarde qui on est et qui on veut être.
Et qui ils étaient aussi à ce moment-là. On ne regarde pas forcément qui ils étaient, parce qu'au contraire, on les juge. Malheureusement. On devrait voilà. essayer de comprendre. Mais en tout cas, c'était une superbe soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc, je rappelle autour de la table avec moi, Émilie Robe, donc, qui est conservatrice en chef du département du 19e, donc, au Musée de l'Armée. Merci beaucoup. On était aussi avec Grégory Spourdos, donc, qui était l'un des commissaires de l'exposition de Napoléon à la Villette, et avec Sylvie Picolet, donc, qui fait partie du département médiation au Musée de l'Armée. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là. Merci beaucoup de prendre le temps aussi, évidemment, de venir sur Twitch pour nous expliquer. Évidemment, comme je disais, Napoléon, c'est un océan. Il y a énormément de choses à voir, énormément d'angles, comme on le disait, à évoquer. Nous ne pouvions pas tout faire ce soir. Donc, c'est pour ça que nous sommes un petit peu penchés sur le quotidien des soldats au travers du jeu vidéo, mais aussi au travers des objets qu'on a pu manipuler. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci à toi. On vous attend dans l'expo très bientôt. Exactement, dans nos expos. Tout à fait, puisque le 19 mai, vous le savez, les musées réouvrent et vous aurez donc deux expositions qui vous attendent ici au Musée de l'Armée. Napoléon n'est plus, sur la disparition justement de Napoléon et finalement de comment est-ce que s'est construit sa postérité et son mythe après sa mort. Et Napoléon encore, qui est cette fois sur une exposition d'art contemporain que vous pouvez venir admirer ici aux Invalides. Donc n'hésitez pas à venir aux Invalides, au Musée de l'Armée, mais aussi dans les musées proches de chez vous, puisque enfin, nous allons pouvoir mettre un terme à cette disette culturelle, donc profitons-en bien sûr. Merci beaucoup aussi Thibaut d'avoir été là. Avec plaisir, tu sais que dès qu'il s'agit de parler d'histoire, je suis toujours là avec plaisir. Incroyable, il était là. Merci, vous étiez très nombreux ce soir, donc je vais une nouvelle fois remercier le Musée de l'Armée, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Je remercie aussi, vous avez été nombreux à le souligner la qualité de la production qu'on a pu avoir ce soir. Ça c'est grâce évidemment aux équipes de BAO qui ont été vraiment géniaux, qui se sont occupés de tout. J'étais dans mes petits souliers en arrivant. Donc merci beaucoup pour ça. On vous souhaite à toutes notre et tous, aussi, voilà, l'équipe au aussi musée. Évidemment du Musée de l'Armée, l'équipe de com, etc., qui a fait le pont avec tout ça. Donc c'était vraiment super, j'étais très très bien entouré pour cette émission et j'étais loin d'être tout seul pour manœuvrer ce navire, et ils ont été au top du top. Donc merci pour ça, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée autour du plateau mais aussi chez vous. On se retrouve nous dès demain 11h pour le prochain live. On aura le temps de débriefer un petit peu ce qui s'est passé ce soir, et évidemment les équipes du musée ont hâte de vous retrouver ici bien sûr au Musée de l'Armée pour les nombreuses expositions qui vous attendent. Ciao tout le monde, passez une excellente soirée. Salut. Merci, bonsoir.